Nous avons le grand plaisir d'accueillir Arnaud Fontanet. Il est professeur à l'Institut Pasteur et au Conservatoire National des Arts et Métiers, ancien interne des hôpitaux de Paris, docteur en médecine de l'Université de Paris et en santé publique de l'Université d'Harvard. Il est spécialiste en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Et depuis janvier 2002, il dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris. Ses principaux thèmes de recherche sont les hépatites virales et les virus émergents. Arnaud Fontanet est également directeur de l'école Pasteur Plan de santé publique et il a été en 2018-2019 le premier titulaire de la chaire de santé publique nouvellement créée au Collège de France. Depuis mars 2020, il est membre du conseil scientifique COVID-19 auprès du gouvernement français. Lorsque nous avons planifié cette conférence, il y a exactement un an, nous étions entre la troisième et la quatrième vague, en pleine campagne de vaccination. Le Covid occupait une place médiatique centrale, et vous passiez une grosse partie de votre temps à la matinale française. J'imagine que la conférence de ce soir, à cette époque, aurait fait sa école. Mais ce soir, nous sommes en janvier 2022, et le Covid intéresse beaucoup moins. À tel point que l'on ne sait même plus trop si la prochaine vague est la sixième, ou la septième, ou la 24e. Et justement, dans un sens, je suis plutôt fier de vous inviter ce soir pour parler de Covid plutôt que de la donner Marie Hussain, avec un an de retard, parce que justement, à l'AFIS, nous préférons le temps long de la science au perpétuel breaking news incertain. Nous préférons les informations consolidées qui ont passé le filtre impitoyable de la revue par les pairs, de la méthode scientifique, de la confrontation réelle et du temps. Dans notre revue Science et Toutes Sciences, nous parlons rarement de la dernière étude, mais nous cherchons plutôt la cohérence avec toutes celles qui ont déjà été publiées. Cela n'enlève rien au fait qu'en situation de crise, il faut savoir décider rapidement, dans l'incertitude, en se basant sur des connaissances encore moins complexes. Mais l'urgence ne dispense pas, une fois la crise passée, de s'intéresser après aux informations validées, celles justement qui nous ont tant manqué pendant la crise. Et donc, c'est pour cela que nous allons vous écouter ce soir. Pour prendre un peu de recul sur ce que nous venons de vivre, comment situer la pandémie de Covid-19 parmi les autres épidémies? Comment interpréter les différentes vagues épidémiques que nous avons subies? Quelle a été l'efficacité des mesures de distanciation sociale, de la vaccination? À quel point les différentes projections utilisées par le gouvernement sont fiables? Comment la pandémie s'est-elle passée? A-t-elle été gérée ailleurs dans le monde? Et surtout, à quoi s'attendre la suite? Vous avez 1h15 pour nous partager vos réponses. Et à l'issue, nous aurons une séance de questions. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de passer un moment avec vous ce soir, tout à fait dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on va retourner sur les débuts et essayer de refaire un tour chronologique des événements, des décisions qui ont été prises. Je vais commenter avec le recul qu'on a aujourd'hui. Il n'y aura certainement pas des réponses à toutes les questions, mais ce travail d'introspection est intéressant parce qu'il nourrit aussi la réflexion qu'on a actuellement par rapport à la préparation des nouvelles crises du même ordre, parce que malheureusement, il y en aura. Je vous rassure néanmoins, ce qu'on a vécu avec la Covid-19, il n'y a pas eu de crise sanitaire ni de maladie infectieuse aussi brutale depuis la grippe espagnole, ça faisait 100 ans. Même si le sida a eu un impact considérable avec un mode d'installation beaucoup plus insidieux, entraîner notamment socialement les mêmes cultures que ce que la Covid a produit. Alors, je réalise que l'écran n'est probablement pas adapté pour la taille de la salle et les diapos aussi, hein, il n'y a pas de côté, il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. Après, je voulais commenter et de toute façon, cette première diapositive n'était pas pour vous montrer le texte, mais simplement j'ai gardé l'email du 31 décembre 2019. Par lequel, au moment où on préparait notre réunion pour le nouvel an, c'est le dernier mail du monde d'avant. En lisant cet email, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui retient notre attention. C'est une liste qui s'appelle Promed, qui est partagée par tous les infectiologues du monde entier. On est milliers à recevoir des mails de Promed et qui nous envoie des alertes 6 fois par jour sur tout ce qui circule dans le monde et qui peut retenir notre attention. Et heureusement, en grande majorité des cas, c'est des choses connues, donc on dit
quelques cas de pas dans le sud de l'Inde, quelques cas de, dans ces familles japonaises, dans les îles sud-est, etc. Ce mail-là du 31 décembre a retenu notre attention parce qu'on nous racontait que la municipalité de Wuhan, en Chine, avait recueilli des informations sur 4 personnes qui étaient atteintes d'une forme de pneumonie d'allure virale atypique qui n'était pas de la grippe et que ces personnes-là avaient été en contact avec un marché. Et quand vous mettez tous ces mots ensemble, des gens comme moi qui ont travaillé sur l'épidémie de SRAS de 2003, et le modérateur de la liste l'a immédiatement noté, il a dit ça nous rappelle étrangement l'histoire du coronavirus du SRAS, mais attendons, c'est une toute première notification. Après, le fait que les autorités chinoises aient communiqué dessus n'est pas complètement anodin, parce qu'on sait que la communication est quand même très contrôlée, et donc ce signal ne nous a pas échappé. Tout de suite, 31 décembre, on a noté et on est parti avec. Alors, ici, c'est une frise chronologique sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais pour vous dire que la première semaine de janvier a été une discussion dans les couloirs entre collègues. Vous avez vu le mec de Wuhan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'OMS a réagi? Est-ce que tu as des infos? Et tout ça nous amène à peu près jusqu'au 8-10 juin. Il y a quelques mises à jour sur la liste promède qui montrent que les 4 cas deviennent 7, puis 11, puis 40. Pas une progression particulièrement rapide parce qu'on se disait aussi qu'il était en train de recueillir l'information. Toujours de lien avec le marché, pas systématique. Les 2/3 des patients sont des gens qui ont vu le marché. Il y a un décès qui apparaît en fin de semaine chez quelqu'un qui a eu beaucoup de comorbidités. Et le démentionner qu'il n'y a pas eu de transmission interhumaine documentée, qui est évidemment notre principale inquiétude, parce que dans les scénarios possibles, au contact du marché, vous pouvez vous infecter avec un virus animal. Ce virus animal peut quelquefois vous rendre malade, mais n'est pas adapté à l'homme, il n'y a pas de transmission interhumaine, et donc il n'y a pas de risque d'épidémie. Du coup, c'est pour les dizaines de personnes qui ont été touchées, on regarde s'ils vont survivre ou pas, les types de complications qu'ils auront, on n'est pas dans le contexte d'un risque épidémique. En revanche, dès qu'il y a transmission interhumaine, on change de catégorie, on se dit attention là, propagation possible. Et la transmission interhumaine, on la voit très simplement, soit il y a des cas de famille, soit il y a des cas à l'hôpital. Les personnels soignants qui prennent en charge les malades s'infectent, c'est ce qu'on avait vu avec le SRAS, c'est ce qu'on avait vu avec le MERS, et là on se dit, risque de transmission interhumaine. Jusque-là, tout va bien. Le 10 janvier même, nos collègues chinois publient sur une liste partagée, et là aussi on est vraiment dans le monde de la partage de données, la séquence complète du génome du nouveau virus qui a été identifié à l'origine de ces quelques cas rapportés. Deuxième coup de semonce, on s'est dit quand même, c'est assez incroyable qu'en l'espace de 3 semaines, puisque le cas a débuté à la mi-décembre, le 10 janvier, les autorités chinoises et les scientifiques chinois aient été jusqu'à identifier un nouveau virus, c'est pas tous les jours, en faire la séquence complète, 30 000 bases, c'est un travail quand même considérable. Alors il faut savoir que nos collègues chinois ont des capacités en bioinformatique, en analyse de séquences, etc., qui sont considérables, qui dépassent les nôtres, et que du coup, techniquement, il n'est pas surprenant qu'ils y arrivent. En revanche, ils aient mobilisé autant d'efforts sur une période aussi courte pour arriver à la découverte d'un nouveau virus, alors que c'est des choses qui arrivent très rarement, nous faisait comprendre intuitivement que la situation là-bas avait un niveau de gravité inhabituel, qu'ils aient mobilisé autant d'efforts sur le séquençage de ce nouveau virus. Mais les données étaient ce qu'elles étaient, et jusque-là, on était encore ce que je disais à quelques dizaines de cas. Le 13 janvier, une femme qui arrive à l'aéroport de Bangkok est diagnostiquée après le passage de la caméra thermique, elle a de la fièvre, et diagnostiquée avec ce nouveau coronavirus parce que, à partir du moment où la séquence complète avait été publiée, il était facile d'en extraire ce qu'on appelle les primers, les sons d'amorce, qui vont permettre l'amplification des tests diagnostiques. Et nos collègues thaïlandais ont été très rapidement opérationnels. Le 16 janvier, autre cas au Japon. Et là, on se dit tous qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'on ne peut pas avoir 40 personnes infectées à Wuhan et déjà des cas exportés en Thaïlande et au Japon. Il y a certainement beaucoup plus de cas en Chine que ce que les autorités nous rapportaient. Et nos collègues de l'Imperial College à Londres ont analysé le trafic aérien à partir de la ville de Wuhan à différentes destinations en
en Asie, et estimé que pour avoir le Doka exporté en fonction de ce qu'ils connaissaient du trafic, il fallait qu'il y ait entre 400 et 4000 cas dans la ville de Wuhan, et leur estimation était 1700, avec donc cette fourchette, mais pas 40 cas qui pourraient avoir déjà ces exportations. Du coup, la communauté internationale se retourne de notre rédaction chinoise en disant le papier de l'Imperial College fait vraiment beaucoup courir, il a été publié un lundi matin. L'OMS demande à la société chinoise de nous en dire un petit peu plus. Et là, on voit que 100 cas par jour le premier jour, puis 200, on est donc 18, 19. Et le 20 janvier, le professeur Zhong Nanchang, qui est un pneumologue très réputé, qui avait travaillé sur une SRAS en 2003 et qui est une vraie autorité, va devant les caméras et annonce qu'il y a en fait beaucoup plus de cas que ce qui avait été rapporté jusqu'à présent. Et pour la première fois, parle de transmission interhumaine en disant que 17 personnes soignantes étaient affectées au contact des patients. On avait vraiment très très peu d'informations supplémentaires. On savait quand même que Zhang Nanchang vienne parler devant la télévision, devant les médias internationaux et nous raconte cette histoire. Voilà, il y avait une situation critique à Wuhan, qui est confirmée 3 jours plus tard quand la décision est faite de confiner Wuhan, et le lendemain, 11 millions d'habitants, et le lendemain de confiner la province de Hubei, qui est donc là 50 millions d'habitants. Mais les bilans sont ce qu'ils sont, et la Chine a beaucoup de mal à garder à jour le bilan du nombre de cas. Ce qui se comprend aussi dans ces situations de crise, hein, les tests diagnostiques venaient à peine d'être créés, peu de réactifs, ils n'étaient pas encore produits, ils n'étaient pas encore distribués, vous avez des difficultés pour comptabiliser les urgences médicales. Il y avait certainement un désordre vraiment important dans les hôpitaux de Wuhan à ce moment-là. Donc pour nous, épidémiologistes, ce n'était pas forcément de la rétention d'informations, en dehors du fait que les autorités avaient dit simplement qu'ils étaient complètement débordés, et ça, ils n'ont pas dit. Mais on savait aussi avoir d'énormes difficultés à rassembler toute l'information et la mettre sur des rapports et les publier dans un contexte aussi sensible que celui-là. Le 24 janvier, 3 premiers cas en France et la semaine suivante, 3 cas supplémentaires. Ce qui était assez particulier, c'était tous les personnes qui arrivaient de Chine, c'est qu'on les a diagnostiqués, isolés, on a testé tous leurs contacts, aucun des contacts n'était positif. Et l'histoire s'est arrêtée là. Donc, 6 patients sur le territoire français. Un des patients chinois très âgé est décédé, mais pas très secondaire. On a le 31 janvier le retour de 200 Français qui étaient à Wuhan et qui sont rapatriés, qui descendent à Carillon-Roi dans le sud de la France, tous testés, tous négatifs. Et puis, il faut attendre finalement le 7 février pour avoir, dans les contamines, rappelez-vous, 5 cas qui deviennent 6 au sein d'un chalet. 350 personnes sont testées dans les contaminants. Tout le monde est négatif. Ces cas sont isolés, pas de cas secondaires. Donc notre expérience jusqu'au 8 février a été qu'à chaque fois qu'il y a eu une introduction et qui a été détectée, il y aura d'autres introductions qu'on n'a pas vues, toutes celles qui ont été détectées, quand l'isolement a été mis en place tout de suite et qu'on a dépisté le tout, aucun cas secondaire, et les choses semblaient raisonnablement contrôlés. On n'était quand même pas tout à fait serein, notamment parce que la situation aussi à l'international se développait. Il y avait l'OMS qui, le 31 janvier, déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Et puis, plusieurs foyers qui s'allument en Asie, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Taïwan. À chaque fois, les foyers sont contenus. Donc on a jusqu'à 10, 20, 50 cas, mais une fois l'isolement mis en place, les foyers sont contenus, la situation semble à peu près contrôlée, sauf dans ce bateau, rappelez-vous, le Diamond Princess au Japon, où là, ils étaient tous enfermés, et on voyait la liste du nombre de cas qui augmentait inexorablement avant qu'ils décident finalement de débarquer les passagers les plus âgés, une fois qu'ils avaient sécurisé les hôtels et tout. Mais à part cette situation extrêmement étrange dans ce bateau, finalement, on avait voilà, on observait pas de nouvelles de ce qui se passait à Wuhan ou à
à la province de Hubei, en dehors d'images, rappelez-vous, assez incroyables, une construction d'hôpital avec toutes les metteuses qui s'activaient, et 10 jours plus tard, un hôpital quasiment opérationnel. Donc vous voyez bien qu'ils étaient face à une situation qui n'était plus, aucune autre information disponible. Ces foyers qui s'allument un peu partout en Asie, mais qui à chaque fois sont contrôlés, le Diamond Princess dans un contexte très particulier d'un bateau où des infections continuent, mais vous comprenez aussi pourquoi. Et nous, en France, à partir du 7 février, les contaminés, plus aucun cas diagnostiqué. On savait qu'on avait des difficultés en termes de tests disponibles, qui étaient priorisés selon la provenance des patients, les contacts qu'ils ont pu avoir, etc. Mais aucune évidence de présence sur le sol français du virus. Et tout ça dure jusqu'au 20 février. Et finalement, la situation a commencé à basculer complètement à partir du 20 février sur l'ensemble de l'Europe occidentale. D'abord avec l'Italie, où il y a un premier cas diagnostiqué dans le nord de l'Italie. Et là, très vite, la situation se détériore avec un nombre de cas très important, les hôpitaux qui se remplissent, les réanimations. Et sur la fin février, nos collègues réanimateurs italiens, connus internationalement parce qu'ils sont dans les équipes justement qui étaient impliquées, spécialisées sur les syndromes de détresse respiratoire aiguë, nous disent c'est une pathologie particulièrement lourde, une pathologie pulmonaire particulièrement lourde. Les patients qu'on voit sont jeunes, on n'a pas l'habitude de voir le tableau saisonnier et ils vont rester en réa au moins 3 semaines. Ça, c'était une information qui pour nous était importante parce que on voyait tout de suite qu'il y avait un risque d'engorgement des réanimations avec des patients qui allaient être très lourds à gérer et qui resteraient hospitalisés longtemps. Et à ce moment-là, en France, on voit successivement le décès d'un enseignant du collège de Pierre Valois, la Pitié-Salpêtrière, qui est diagnostiqué positif pour la Covid. Les équipes de santé publique France vont avec Pierre Valois et se rendent compte qu'il y a beaucoup d'infections respiratoires qui circulent et que ça semble être différent de ce que pouvait être la grippe qui était épidémique à ce moment-là, comme au mois de février habituellement. Il y a des croisiéristes qui reviennent d'Égypte, différents endroits de France qui sont affectés. Et puis, à la Rassemblement évangélique de Mulhouse, 17 au 22 février, 2500 personnes en bureau. Et là, on se rend compte que les hôpitaux de Colmar, Mulhouse et Strasbourg, sur la fin février, début mars, on voit des patients arriver, et notamment les réanimations se remplissent avec des patients jeunes, beaucoup en surpoids, et présentant des tableaux de détresse respiratoire aiguë. Franchement, c'est même. Donc, cette situation bascule complètement pour nous. On se rend compte aussi qu'en Iran, la situation est critique avec des patients diagnostiqués au Liban et au Canada. Et là, les choses, le temps s'accélère. Et c'est vrai que pour moi, autour du mois de février, je me souviens assez bien de tout ce qui s'est passé jour par jour pour décortiquer toutes les informations disponibles. À partir de la fin février, voilà, on se rend compte que transmission est communautaire sur le sol français et les informations s'accumulent. On est impliqué nous-mêmes assez vite dans un soutien à la Santé publique France dans l'investigation de Pierre Valois. Et puis, il y a le week-end du 6-7 mars où les informations qui nous arrivent des réanimations sont que dans l'est de la France, elles sont en train de sur le point de saturer et que dans le nord de Paris, on voit aussi arriver des patients. Et ça, c'était les foyers d'Oise qui commençaient à arriver sur Paris. Et la situation devient très vite critique, au point que le 11 mars, après avoir reçu un coup de fil qui me demandait si j'étais intéressé de participer à un conseil scientifique et y avoir répondu positivement, je me retrouve officiellement dans un groupe de 15 personnes pour le lendemain, le 12 mars, rencontrer le président de la République à l'Élysée sur le premier point qu'on allait faire sur l'épidémie. Et je passe du statut de chercheur, curieux, observateur qui s'enseigne à quelqu'un qui va devoir faire des propositions, analyser la situation pour aider à la décision publique, qui était quelque chose que je n'avais auparavant pas fait, en tout cas en France. Et juste pour vous rappeler, donc, comme je disais, la situation, mars, c'est des hôpitaux italiens avec lesquels, évidemment, il y a un processus d'identification qui se fait très facilement pour nous, parce que c'est juste à côté de chez nous, une situation très proche. Hôpitaux italiens qui débordent. Et je vous ai mis ici les points qui sont résumés dans la première avis du Conseil scientifique du 12 mars, que vous pouvez consulter. Tous nos avis sont publiés sur le site du ministère de la Santé. Et on a résumé les éléments principaux qui vont nous amener
à faire des propositions fortes vers le gouvernement pour leur dire si rien n'est fait, on va se retrouver dans une situation de saturation des hôpitaux extrêmement rapidement et il faut donc diminuer considérablement les contacts entre les individus puisque c'est un virus respiratoire qui se transmet par contact entre les personnes. Donc on a, et ça c'est des points qui sont cités dans le rapport, mais qui vous disent aussi en creux ce qu'on ne savait pas. Donc on avait un état des lieux sur l'Italie qui s'arrêtait le 11 mars, des estimations sur la base des courbes italiennes du temps de doublement de l'épidémie, c'est-à-dire que tous les 4-5 jours, le nombre de cas doublait. Donc si vous faites cet exercice et vous partez avec 10 000 cas et vous mettez 4 jours plus tard, vous avez 1 000, 40 000, 80 000, 160 000, vous voyez quand même l'est et le nord de la France avec des temps d'hospitalisation qu'on attendait long et donc un risque de saturation. L'OMS qui déclare l'état de pandémie le 11 mars et les modèles mathématiques. À partir du temps doublement, on peut estimer finalement le nombre de reproductions, le nombre de cas secondaires par personne infectée qui, à terme, permet de dire quelle proportion de la population devrait être infectée pour que l'épidémie s'arrête, le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. En admettant qu'on ait une immunité solide, on sait aujourd'hui malheureusement que l'immunité reste transitoire, donc c'est un exercice qui se répète à l'infini, mais qu'il faudrait à ce moment-là, les toutes premières estimations, au moins que la moitié de la population française soit infectée pour que le virus arrête de circuler de façon épidémique, c'est malheureusement depuis que c'est beaucoup plus, et que c'est des choses qui se répètent avec un entretien d'immunité par les vaccins, etc. La taux de létalité dans les proportions de décès par personne infectée estimée entre 0,5 et 1%, si vous faites la règle de 3, vous arriverez très vite à des centaines de milliers de personnes qui allaient mourir en France si on ne diminuait pas de façon très drastique les contacts entre les personnes. Estimé au départ à 60%, et la seule façon de diminuer les contacts entre les personnes de plus de 60%, c'est malheureusement le confinement. Et donc, ce qui était pour nous complètement impensable s'est produit. Et, je vous ai mis ces quelques photos qui vous rappellent des souvenirs peut-être un peu surréalistes et voir le monde de Paris complètement vidé après la décision d'un confinement par le président de la République pour le 17 mars. Et nous, c'est vrai que dans notre capacité de conseil scientifique, bien sûr, on ne fait que des propositions, c'est le gouvernement qui décide, mais là, on a été quand même amené à faire des propositions, comme je vous disais, restrictions des contacts qui n'ont jamais été observées dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais confiné dans l'histoire de l'humanité à l'échelle de la vie. Même à l'échelle de la vie, les exemples sont rares. Et ça a été toujours pour des périodes très transitoires. Il y a eu un petit peu pendant la guerre espagnole, il y a eu un peu pour l'épidémie de variole. La vraie variole, avant 1957, mais c'est resté quelques jours. Et voilà, confiner un pays, etc., ce sont des choses pas arrivé, et quand ça se fait à l'échelle mondiale, c'est encore plus incessant. Alors cette diapositive, pour moi, est très importante parce que elle nous a permis, 11 jours plus tard, on l'a reconstruite 2 mois plus tard, cette diapositive, mais si on avait pu la faire 11 jours plus tard, on aurait pu se conforter sur l'idée que d'avoir confiné était la chose à faire, et plus important d'avoir confiné l'ensemble de la France et pas simplement les régions touchées, était la chose à faire. Alors ce que vous avez ici, c'est les admissions à l'hôpital, donc la courbe d'admission à l'hôpital, des 13 régions françaises. Et vous observez partout la même malue, une courbe exponentielle, dans les 13 régions françaises, avec un pic qui est 11 jours, plus ou moins un jour, après la barre verticale rouge qui est au 17 mars. Donc en gros, on va dire le 28, plus ou moins un jour en mars, le nombre d'admissions à l'hôpital a atteint son pic. Et 11 jours, c'est la durée moyenne entre l'infection et le moment où vous êtes admis à l'hôpital, quand vous allez faire une forme grave. Et donc d'avoir bloqué les contacts, à bloquer les infections, et vous voyez que la courbe des admissions à l'hôpital a commencé à décroître, 11 jours, plus ou moins un jour. Ces courbes, vous ne pourrez pas les retrouver dans les chiffres officiels parce qu'il y a des décalages de délais, de rapports, etc. Elles sont construites sur les données réelles. Et donc voilà, je vous le dis parce que si vous, ce soir vous allez regarder sur les dashboards, sur les tableaux de bord, etc., vous allez vous dire qu'il y a des
28 mars pour faire ses premiers avril. Ces décalages sont dus à des délais de construction des cours officiels, mais ça, c'est des vraies données. Et le trait horizontal que vous voyez, qui est au niveau de une admission à l'hôpital pour 100 000 habitants par jour, et celui qu'on considère comme seuil critique atteint. Et vous verrez que pour la région Grand Est, qui est ici, GES Grand Est, il a été atteint plus tôt, on savait, le 8 mars. On a atteint une forme de seuil critique à ce moment-là. Et la Bretagne, ce qui est intéressant à voir, elle a atteint ce même seuil 15 jours plus tard. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il n'y avait que 15 jours de décalage entre l'épidémie du Grand Est et l'épidémie de la Bretagne, qui était la région la moins touchée. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand il a fallu faire des propositions sur est-ce qu'on confine seulement le Grand Est, les Hauts-de-France, la région parisienne, ou l'ensemble du pays, dans les considérations qui étaient prises en compte, il y avait l'idée qu'il pourrait y avoir un exode massif si on apprend qu'on peut rester, continuer à circuler dans le sud de la France, et ça faisait partie de la réflexion, mais il y a eu aussi l'idée qu'il fallait, en fait, l'épidémie était déjà en dynamique exponentielle sur l'ensemble du territoire, ça n'était qu'une question de jour avant que la Bretagne, qui était la région la moins touchée à l'époque, ne bascule dans le même état que celui du Grand Est qui était critiquement touché déjà à l'époque. Et d'avoir un confinement national a permis de geler la situation dans le reste de la France et de les maintenir dans un état de nombre d'hospitalisations et notamment en soins critiques bien meilleur que le reste de la France. C'est pas du tout finalement que quand on regarde a posteriori ces différences régionales, etc., il y a eu le pas de bol du Grand Est avec le rassemblement de Roger de Mouze, et puis d'un foyer qui s'est déclaré à Crépy-en-Valois. Et puis pour le reste de la France, ils ont finalement bénéficié du fait qu'il y ait ce confinement qui a empêché la circulation du virus très tôt, il les a préservés. Ça a été d'autant plus important que quand les réanimations ont débordé, notamment dans le Grand Est, on a pu transférer des patients. Et la France est assez unique dans cet exercice avec les TGV, les avions, les hélicoptères, vers l'ouest de la France, on avait encore de la place. Et des soignants de l'ouest de la France ont pu venir épauler les soignants dans le Grand Est. Et donc tout ça, finalement, s'est avéré très vertueux, alors qu'au début, croyez-moi, c'était pas très facile quand on s'est posé cette question, est-ce qu'il y avait sur l'ensemble de la France, est-ce que c'est seulement les régions les plus touchées, pourquoi confiner dans des régions qui ne sont pas sur rien. A posteriori, quand on regarde cette diapo, on se dit heureusement qu'on l'a fait. Et quand on compare tous les pays en disant il y a des pays qui ont très bien géré l'épidémie, mais pas du tout, il ne faut pas se lever. L'Italie, l'Espagne et la France ont eu le malheur d'être touchés en premier, et les pays Allemagne et les pays scandinaves ont eu la chance de voir ce qui se passait au sud pour mettre leur confinement en place. Les Danois, le 10 mars, il ne se passait rien chez eux, et éviter justement cette première vague, ce qui a été très salutaire pour ceux qui ont pu voir ce qui se passait ailleurs, de la même façon que la Bretagne a pu voir ce qui se passait dans le Grand Est de sa bonne façon. Alors, le bilan à la suite de cette première vague, donc avec les équipes de Simon Cochepès à l'Institut Pasteur, qui fait beaucoup de travaux de modélisation et qui était avec moi au conseil scientifique, le bilan de la première vague était que finalement 5% de la population avait été touchée par cette première vague. 15% dans les régions du Grand Est les plus touchées, la région parisienne, mais au total c'était seulement 5%. Et ce que nous dit la théorie épidémiologique, c'est qu'avec un nombre de reproductions, donc le nombre de cas secondaires par personne infectée de 2,9, très proche de 3, eh bien il faudra que 66% de la population soit infectée pour que le virus arrête de circuler de façon épidémique. Et on n'avait fait que 5%. Avec la première vague qu'on a connue. Donc déjà, en sortant de ce premier confinement, on savait qu'il y avait encore une immense proportion de la population très vulnérable, et que quand le virus se remettrait à circuler de façon épidémique, ben, il n'y aurait pas d'autre solution que de restreindre de façon drastique les contacts entre les personnes, parce qu'il restait encore un réservoir de personnes susceptibles extrêmement important, et tant qu'il n'y avait pas de vaccin, on n'avait pas d'autre moyen de bloquer la circulation du virus que d'empêcher les contacts entre personnes. Et c'est ce que l'année 2020 a été, c'est dans le
terme qui est utilisé en anglais, non-pharmaceutical interventions, c'est des interventions non-pharmaceutiques, ça veut simplement dire on reste en contact avec les personnes. À la différence des interventions pharmaceutiques qui sont des vaccins, des traitements, et des choses comme ça. Et là, je vous ai mis un graphique juste pour vous faire intuitivement comprendre un petit peu la balance qui existe entre le degré de restriction que vous devez apporter et la proportion de la population qui est naturellement protégée par l'immunisation au cours d'une épidémie. Ce que vous voyez ici, c'est donc les différentes valeurs du R effectif, qui est le nombre de reproductions effectives, donc le nombre de cas de secondaires par personne infectée au cours d'épidémie, qui dépend du nombre de reproductions de base, la capacité intrinsèque du virus à circuler en population qui va être estimée autour de 3. Dans cet exemple, il était à 2,5, mais c'est pas grave. Et vous faites le produit en fait de ce nombre de reproductions de base par la proportion de la population qui est susceptible à l'infection, c'est 1 moins le pourcentage d'immunisés. L'immunisation, ça peut être l'infection ou la vaccination. Et vous multipliez ça par 1, par la proportion de la population qui est en contact avec les autres, socialement connecté. Et c'est 1 moins le pourcentage de restriction. Et donc ce pourcentage de restriction, c'est diminué de 20% des contacts entre les personnes, 30%, 40%, 50%. Pour vous donner un ordre de grandeur, effectivement, vous diminuez 80%, on pense que R est descendu en dessous de 1. Quand vous êtes avec un couvre-feu, on est à peu près à 50%. Et puis les mesures qu'on a connues de fermeture de bars, de restaurants, de télétravail, de l'isolement, ça vous fait 20-30% de restriction des contacts. Donc ça, c'est une, en fait, une, ce qu'on sait faire avec ces fameuses interventions non pharmaceutiques, c'est donc de limiter les contacts entre personnes. Et là, nous partons avec, ici, ce qu'on veut, c'est garder le R en dessous de 1. Donc on veut surfer sur cette ligne qui est ici, où quand 0% de la population est immunisée, c'est-à-dire quand il n'y a aucune immunité en population, personne n'a été infecté et personne n'a été vacciné, eh bien, il faut 1 moins 40%, il faut diminuer de 60% les contacts entre les personnes pour que le R reste à 1 ou moins et donc que vous n'ayez pas une progression de l'épidémie. Et puis, au fur et à mesure que la proportion de la population s'immunise soit par infection, soit par vaccination, vous pouvez vous déplacer le long de cette courbe et vous notez que pour un R 0 à 2,5, qui aurait pu être celui du premier variant, eh bien, quand 60% de la population aura été immunisée soit par infection naturelle, soit par vaccin, vous n'avez plus besoin de restreindre les contacts entre personnes, vous êtes sur cette crête du 1 et votre épidémie est contrôlée. Et donc, l'histoire, en fait, allait devenir comment réguler la diminution des contacts entre les personnes pour maintenir le 1 sur cette crête, alors que la proportion de la population immunisée augmentait, d'abord par infection naturelle, vous avez vu qu'on n'avait que 5% après la première vague, donc ça laissait présager quand même des temps très difficiles, ou avec le vaccin, qui quand il allait devenir disponible, allait permettre de faire gagner beaucoup de temps sur cette courbe et se retrouver plus vite vers les zones où on pouvait arrêter de restreindre les contacts entre les personnes. Alors, les mesures utilisées pour restreindre les contacts, je suis désolé, mes diapositives sont en anglais, mais de toute façon, vous n'allez pas les lire parce qu'elles sont petites, donc je vous les commente en passage, c'est pas plus mal. Mais vous les connaissez en plus par cœur, ces mesures, en train, on se lave les mains, on porte un masque, on aère, on tousse, etc. Et les lieux qui pouvaient être concernés, qui sont les stades, les restaurants, les bars, etc., les commerces, enfin, tout ça, vous connaissez. Il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place pour restreindre les contacts entre les personnes. Et là, je vais m'arrêter sur cette diapositive parce que finalement, il y avait 4 stratégies possibles dans cette période où on ne pouvait s'appuyer que sur des mesures non pharmaceutiques pour contrôler l'épidémie. La première stratégie était la recherche de l'immunité de troupeau, le terme anglais herd immunity, vous laissez les gens s'infecter, et puis quand vous avez atteint les 60-70% de personnes infectées, le virus s'arrêtera de circuler de façon épidémique. Alors, au début, ça va être un petit peu douloureux parce que vous avez vu, avec 5%, on avait déjà rempli les réanimations dans quelques régions de France. Mais bon, c'est un passage difficile, on serre les dents, et puis après, voilà. Et puis en fait, quelques pays qui ont testé ont pu s'arrêter tout de suite parce que dès que vous commencez à saturer les hôpitaux et vous ne pouvez plus admettre des patients, il n'y a plus rien à faire. À partir du moment où l'hôpital est saturé, des gens arrivent, sont
train, soit ils ont la Covid, soit ils ont d'autres pathologies, ils ne peuvent pas être admis. Il n'y a aucun gouvernement, aussi dur soit-il, qui pourra faire accepter à une population une situation pareille. Donc les pays en sont revenus très très vite, mais celui qui a persévéré le plus en Europe, c'est la Suède. Et vous verrez qu'ils vont finalement payer très cher d'un point de vue coût humain, mais pas seulement. Deuxième stratégie qui est à l'opposé, c'est le fameux zéro Covid, où là, c'est tolérance zéro par rapport au virus. Donc, vous, dès que vous avez quelques cas, vous testez toute la population autour, vous enfermez tout le monde, vous attendez 3 semaines, quand il n'y a plus de cas, vous réouvrez, mais vous réouvrez complètement. Vous vivez totalement normalement. Alors, les pays qui l'ont fait, c'était des pays insulaires qui pouvaient complètement contrôler les arrivées de l'extérieur, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, où il était possible pour eux, avec des quarantaines des personnes qui arrivaient, qui étaient testées tous les jours dans les hôtels, etc., tous les jours, tous les 3 jours, mettons, et puis au bout de 14 jours de quarantaine, toujours négatif, on les laissait partir en population. Et quand dans une ville comme Sydney, il y avait 4 ou 5 cas qui apparaissaient, on confine Sydney pendant 3 semaines. Mais entre ces périodes de confinement, les gens vivent parfaitement normalement. Et ces pays ont réussi, ça n'a pas été simple. Ils ont eu quand même en Australie, en Nouvelle-Zélande, des mouvements de protestation. Hein, parce que les confinements durs, répétés, ont été mal vécus par la population. Mais à l'inverse, quand ils étaient libres du mouvement, ils étaient complètement libres du mouvement. Il n'y avait pas de masque, tout était vert. Après, les flux aussi étaient très régulés. Hein, les gens n'ont pas pu retourner, les Néo-Zélandais, pendant 2 ans, n'ont pas pu retourner en Nouvelle-Zélande. C'était quand même dur pour les familles, etc., d'avoir complètement coupé de leurs proches. Puis la Chine. La Chine qui, avec son gouvernement et ses méthodes, a réussi aussi à faire du zéro Covid. Et quand une ville de 10 millions d'habitants avait quelques cas, on confine, on teste tout le monde, on fait ça 3 ou 4 fois, puis au bout de 3 semaines, on confine. Et ça a tenu jusqu'à Omicron, et on reparlera de ce qui se passe actuellement en Chine. Une autre stratégie, ce qu'on appelle le stop and go. Le stop and go, c'est vous laissez l'épidémie monter, et puis quand vous arrivez au moment où les hôpitaux saturent, vous prenez des mesures et vous redescendez. Alors évidemment, il y a un coût humain parce que vous avez toutes les hospitalisations et les décès de la montée et de la descente, mais au moment où vous prenez des mesures dures, la population comprend parce que les journaux télévisés sont remplis d'images de réanimation saturée, et les gens disent bah, effectivement, il n'y a pas d'autre choix, en fait. Et le stop and go est ce que vous pratiquez la plupart des pays. Et puis, la dernière stratégie, qui était d'agir tôt et fort, en anticipation, il y a un seul pays qui a réussi à le faire, c'est le Danemark, avec la modélisation, quand ils voyaient par les projections que dans 4 à 6 semaines, ils allaient atteindre un niveau de saturation, ils mettaient des mesures très fortes tout de suite, pour casser la vague à ce moment-là. Et quand vous le faites très tôt, les mesures, finalement, n'ont pas besoin d'être aussi longues que quand vous attendez pour après faire la décrue. Et le Danemark, comme je vous disais tout à l'heure, a confiné le 10 mars, alors qu'il ne se passait rien chez eux, mais simplement parce qu'ils voyaient l'Italie. Et ils sont sortis de confinement mi-avril, un mois avant tout le reste de l'Europe. Et l'histoire du Danemark pendant cette épidémie a été toujours dans l'anticipation. Ils ont confiné 2-3 semaines avant tout le monde, et ils sont sortis un mois et demi avant tout le monde. Et ça n'est possible que quand il existe un niveau de confiance très élevé entre les scientifiques et les politiques, et la population et les politiques, et la population et les scientifiques. Et c'est le cas du Danemark. Donc, quand les scientifiques disaient, nos modèles annoncent que dans 6 semaines, on se retrouve dans un moment de saturation, on prend des mesures très dures, la population l'a accepté. Et ça a duré toute l'épidémie. Et ils ont été, de ce point de vue, assez remarquables, parce qu'ils ont eu, du coup, le coût humain un peu plus faible, mais également économiquement aussi, ils s'en sont le mieux sortis, parce qu'ils ont eu des périodes de confinement moins longtemps que les autres pays. Alors, je vous raconte ici ce qui s'est passé, vous vous en souvenez, pendant l'été 2020. On a eu ce premier confinement, on est sorti au 11 mai 2020, le premier confinement. Rappelez-vous, mai-juin, circulation très basse du virus. Pendant l'été, ça recommence à grimper tout doucement. Mais on a passé un été 2020 qui était déjà très content d'être sorti du premier confinement, les choses se passaient pas mal. Il y avait même des discussions sur les plateaux télé sur est-ce qu'il y aurait un jour une deuxième vague. Donc, de ce que je vous ai expliqué par rapport au fait que nous,
selon nos modèles, 5% de la population affectée, alors qu'il en faudrait 66% pour que le virus arrête de circulation épidémique. C'était évident qu'il y en aurait une. Mais vous aviez vu à l'époque, dans les, sur les plateaux de télé, des gens très doctes qui vous racontaient, il n'y aura pas de deuxième vague, je ne saurais même plus vous répéter leurs arguments. Et pendant ce temps-là, ce qu'on a vu apparaître, ça c'est des cartes, alors le terme de chaleur n'était pas très apprécié, c'est le heat map en anglais. Vous avez ici les classes d'âge, ici les plus jeunes, et là vous montez, vous avez les plus âgés, et là vous avez les semaines calendaires. Et là on va être au mois de juin, quand c'est vert, ça circule peu, et puis ici on arrive en juillet, et puis là on arrive en août, et vous voyez dans la tranche des 29 ans, ça commence à virer au rouge, et c'est là que les incidences sont les plus élevées. Et puis après, par contiguïté, ça gagne les tranches d'âge plus âgés et plus jeunes, et on se retrouve ici, alors en octobre, avec une incidence qui devient élevée dans l'ensemble des classes d'âge, c'est le Val-de-Marne, mais vous avez les autres départements de la région parisienne. Et partout, on a eu le même phénomène, et cette carte, vous la voyez partout en France, vous la voyez partout dans le monde. Un virus qui commence à circuler activement chez les 29 ans qui sont socialement les plus connectés, et qui après, par curiosité, va gagner les tranches d'âge plus âgées et plus jeunes. Et donc, on se retrouve avec cette situation-là sur les cartes européennes, où vous avez, donc on est, je vais regarder l'échelle de plus près, ici en juillet, août, septembre et octobre, tous les pays européens, et vous voyez qu'on prend tous la même trajectoire, au moment où l'automne revient, où les courbes augmentent, mais exponentielle, elle avait démarré plus tôt, hein, elle avait démarré, on l'a vu tout à l'heure sur ces courbes d'incidence, dès le mois d'août, on était déjà parti sur l'exponentielle, simplement on était très bas, on a dit mieux. Mais on était à des taux de croissance de 30% par semaine, continu, à partir du fin juillet, et sur toute cette période jusqu'à octobre. Et puis il y a eu ce... Je le mets ici un petit peu en avant parce que c'était un des premiers témoignages souvent du rôle que la température joue dans la dynamique de cette épidémie. Il y a quand même un rôle saisonnier, même si on peut avoir une épidémie en plein été, la circulation du virus est moindre en plein été. Et rappelez-vous, peut-être que vous en souvenez pas, en septembre 2020, ici, c'est la rentrée, en France, nous, on est en train de se dire, ça y est, on va dans le mur, c'est... Et du coup, tout début septembre, il y a eu quelques mesures qui ont été prises, mais un peu cosmétiques. Mais, parce que les gens revenaient de vacances, ils avaient la tête ailleurs, ils avaient vécu le premier confinement, et certains pensaient qu'il n'y avait pas de deuxième épidémie et tout. On resserre un tout petit peu les vis, avec quelques mesures gouvernementales, et puis on voit cette petite stabilisation. Et avec Simon Cauchemin, on se disait, c'est incroyable, avec un peu d'ajustement, on arrive à stabiliser nombre de cas. Et puis là, en l'espace de 10 jours, on perd 18 degrés de température. Et ping, c'est parti tout de suite, et c'est parti de façon synchrone sur toute l'Europe. Il y a eu ce refroidissement de brutal, les gens sont rentrés à l'intérieur, ping, c'est parti, et on a eu cette deuxième vague qui s'est déclenchée en octobre. Et là, c'est finalement le travail que fait l'équipe de Simon Cauchemin qui a posté en ligne sur un site de l'Institut Pasteur toutes ces modélisations, elles étaient accessibles à tout le monde, et qui montraient, ici on était, vous voyez, septembre, octobre, là c'était l'observé qui s'arrête ici avec les points, et des projections avec des scénarios qui, selon les mesures qui allaient être prises, faisaient un décollage extrêmement rapide de l'épidémie, ou quelque chose qui pouvait être un peu contenu. Et là, on parle des lits de réanimation, et vous savez qu'en France, on a 6 000 lits de réa, et qu'en faisant des gros efforts, on peut monter à 10 000, 12 000, mais ça s'arrête là. Et donc, on avait ces données vers la mi-octobre pour dire on va dans le mur. Et finalement, le travail de conseil scientifique pour nous, avec les différentes vagues épidémiques qui se sont succédées avec l'émergence de nouveaux variants, a été à chaque fois, avec l'aide de l'équipe de Simon, de pouvoir avoir des projections qui nous disent voilà ce qui va se passer dans un mois et demi, des scénarios avec des mesures qui vont plus ou moins impacter cette projection, et puis de rendre une copie au gouvernement en disant ben, si on ne fait rien, voilà où on sera, c'est-à-dire une saturation au 15 novembre, et puis si vous diminuez de 30% les contacts, et je vous ai rappelé les recettes hein, qui sont une pincée de télétravail, un petit peu de masque, de l'isolement, etc., de la fermeture de lieux publics, interdiction de rassemblement et compagnie, voir quand la situation est vraiment critique, d'aller jusqu'à un couvre-feu, voir quand on est encore plus critique en confinement, vous arrivez à fléchir la courbe, ou sinon, on part comme ça. Et
Et notre rôle, finalement, pour nous, a été donc de toujours utiliser la saturation des hôpitaux et des réanimations comme critère d'évaluation de la situation, puisque c'est le moment où, quand les hôpitaux saturent, on ne peut plus admettre des nouveaux patients, qu'ils aient la Covid ou une autre pathologie, quand on doit déprogrammer des soins pour garder libre des lits de réanimation, on arrive à une mise en danger d'autrui, de fait de cette incapacité de donner des soins que les gens aient la Covid ou non. Et c'est donc le critère qui nous était utilisé pour nous, et après, on construisait tous nos avis, après chaque nouveau variant qui est arrivé, sur les projections, l'estimation de restriction des contacts qu'il fallait avoir pour ne pas saturer les hôpitaux, et au gouvernement de choisir dans la boîte à outils du télétravail, de l'isolement, du masque, de la fermeture des bars, des restaurants, des rassemblements, etc. Ce qu'ils voulaient utiliser, parce que ça, c'est des mesures qui dépendent de ce que le gouvernement peut juger d'un point de vue retentissement social, économique, éducation, etc. Et atteindre les 20% requis, 30%, 50% de restrictions de contact pour éviter la saturation des hôpitaux. Et on a vraiment fonctionné comme ça sur toute l'épidémie. Alors, et ça marche. Malheureusement, avec les couvre-feux et le confinement, mais ça c'était l'Europe. Donc au 11 octobre, et ici vous avez le 20 novembre, le 10 novembre, pardon, tous les pays européens ont dû sortir la boîte à outils et appliquer. Alors en France, parmi vous, il y a eu un couvre-feu pendant 15 jours à peu près, les 15 derniers jours d'octobre, et puis il y a eu un confinement qui a été moins dur que le premier, mais qui a été mis en place. On a gardé quand même les écoles ouvertes autant qu'on pouvait, parce que l'Irlande avait fait et ça avait marché. Et c'était la période de deuxième vague, octobre-novembre 2020. 2021, c'est finalement, a été caractérisé par deux phénomènes. L'arrivée des vaccins, on n'aurait jamais imaginé arriver si vite, mais aussi l'émergence des variants. Les deux ne sont pas liés d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que les variants qui ont impacté en 2021, par de alpha, beta, delta, etc., sont nés avant même que le vaccin ait été créé. Après, on peut imaginer que la pression immunitaire que les vaccins exercent depuis ait pu influencer l'émergence du nouveau variant, mais même pas Omicron, et je vous raconterai une histoire pour Omicron. C'est deux phénomènes qui sont indépendants, mais qui ont coïncidé dans l'histoire de l'épidémie. Et 2021 a été donc l'année des barrières non pharmaceutiques, et l'année 2021 a été l'année à la fois du vaccin, mais également des premiers variants. Alors, la grande révolution, ça a été les vaccins à l'ARN. Un petit mot sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La découverte de l'ARN messager en 1961, François Gros et Jacques Monod, pasteurien, qui ont travaillé avec deux équipes américaines et qui travaillaient sur Watson et l'ADN, etc., et ont été les premiers à identifier ce petit bout d'ARN qu'ils ont appelé ARN messager et qui, 60 ans plus tard, ont été utilisés par les équipes donc Moderna avec Catalina Carico et puis de Pfizer avec Ugur et, alors je ne sais plus, c'est Özlem Türk, qui sont donc les Turcs qui ont fait ce travail fantastique. Hein. Des très belles histoires d'immigration, quand on y réfléchit, hein, puisque lui était fils d'un ouvrier qui travaillait chez Ford en Corée, et sa femme était fille de médecin turc immigré en Allemagne. Donc Catalina Carico était postdoc arrivé aux États-Unis, donc qui ont vraiment eu un impact incroyable grâce à la mise au point de ces vaccins à ARN messager qui donc sont une véritable révolution. Et sans être un spécialiste des vaccins, de pouvoir avoir attendu les vaccins pour beaucoup de maladies depuis 30 ans où on travaille sur les maladies infectieuses, et pour écouter des gens comme Tony Fauci ou les NIH qui sont des autorités, personne n'imaginait qu'on aurait des vaccins avant 2 ans. Donc ça, et quand je vois à quel point ça nous a permis de sortir de ce cycle d'intervention non pharmaceutique que je vous ai cité, je pense qu'on leur doit une fière chanson.
Et les résultats sont assez parlants. Sur le premier essai, celui de Pfizer ici, vous avez ici la courbe du nombre de cas chez les gens qui ont reçu le placebo, ici la courbe du nombre de cas chez les gens qui ont reçu le vaccin. On était avec un bon vieux variant D614G qui était responsable de la première vague. Malheureusement, après, le virus a appris à contourner et de mieux en mieux les vaccins. Il a fallu en produire en quantité plus qu'industrielle. Donald Trump, déjà en finançant avec 1 milliard d'euros d'ARPA, le programme de production des vaccins dont il en a bénéficié, a fait, dans le cadre de cette pandémie, avancer dans des considérations politiques. Je dirais que ça, c'est des actions positives dans la lutte contre la pandémie. Et en creux, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'autres choses auxquelles je n'adhère pas, dont Javel et le reste. Et Ursula von der Leyen et l'Europe ont joué un rôle aussi extrêmement important dans la stratégie. Alors, sur le développement des vaccins, on ne boxe pas du tout dans la même catégorie en termes de moyens. Pour mobiliser des fonds, ça a pris beaucoup plus de temps qu'aux États-Unis. Mais le fait d'avoir financé 7 programmes de recherche avec un contrat qui disait que si votre vaccin marche, on est acheteur privilégié et on répartira de façon équitable en fonction de la taille des populations en Europe les vaccins qu'on aura achetés, plus un programme pour les pays du Sud, ont permis de contrôler un peu la jungle qui était en train de se mettre en place autour du vaccin et de répartir les risques et d'éviter à chaque pays de financer son poulain au risque de se retrouver avec rien si son poulain ne débouchait pas. Et on était très content finalement d'avoir pu profiter du vaccin Pfizer très tôt. Et donc c'est là où l'Europe quand même a joué un rôle très important sur le financement de la recherche, parce que quand même il y a une contribution importante, mais surtout après les achats privés, la redistribution des vaccins, et de façon à ce que ça soit, les choses se passent de façon à peu près civile. Mais en même temps, comme je le disais, sont apparus des variants. Et le premier a été le variant Alpha, qui est apparu au Royaume-Uni, dont on ne connaît pas complètement l'origine, mais on soupçonne un patient qui avait un déficit immunitaire important et qui a eu une infection chronique, qui a été l'occasion de l'émergence de ce variant. Et c'est probablement la même histoire qui est à l'origine du variant Beta et du variant Omicron. Et on ne sait pas trop pour le variant gamma et le variant delta. Mais voilà les différents variants qui ont rythmé la suite de l'épidémie. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique de l'ensemble des coronavirus du SARS, SARS-CoV-2. Et vous avez ici la branche delta, par exemple, qui était en train de se différencier. Quand est arrivé Omicron ? Et Omicron, vous voyez, c'est une espèce d'extraterrestre qui est né ici, mais qui se branche sur un virus de 2020, phylogénétiquement. C'est un nom qui est issu d'un virus qui, en fait, datait de 2020. Et l'histoire de Omicron, elle nous est racontée, je reviendrai après, dans différents papiers, ici d'Afrique du Sud, qui vous racontent une infection chronique au SARS-CoV-2 chez les patients avec déficit immunitaire sévère, dans ce cas des SIDA, qui n'étaient pas contrôlés, malheureusement, des patients qui n'avaient pas de trithérapie. Et donc des charges virales élevées, des CD4 très bas, qui n'arrivent pas à se débarrasser du SARS-CoV-2 quand ils sont infectés. Et sur une infection qui, ici, dure 180 jours, vous avez ici les charges virales à la fois du VIH, mais aussi du SARS-CoV-2. Vous voyez qu'il y a le VIH qui n'est pas contrôlé, mais le SARS-CoV-2 non plus. Et ces patients ont fait des infections chroniques au SARS-CoV-2 de 6 mois, là où pour nous, en une semaine, l'histoire est réglée. Et pendant ces 6 mois, le virus accumule des mutations. Et Omicron, par exemple, avait 68 mutations par rapport au virus d'origine d'avril 2020 sur lequel il est branché. Donc il y a eu une infection chronique en Afrique du Sud d'un patient présentant un virus SIDA. Et pendant cette infection de 6 à 9 mois, des mutations s'accumulent. Et vous avez à la fin un variant qui est complètement disruptif, qui est le variant Omicron, et qui ne ressemble à rien de ce qu'on avait vu auparavant. Et dans les autres modes d'émergence de variants, vous avez plutôt les glissements progressifs où vous avez des mutations successives sur un virus qui existe et puis il mute, il change un petit peu. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Omicron. Alors il y a eu BA1, puis BA2, puis alors, eux se branchaient un petit peu en amont, mais
Et ce qu'on voit sur BA4, BA5 aujourd'hui, ce sont des mutations qui s'accumulent et des virus qui glissent et qui rajoutent des mutations qui les rendent un petit peu plus capables d'infecter, un peu plus capables d'échapper à l'immunité, peut-être un peu plus pathogènes, plutôt vers une sévérité augmentée, mais par glissement très progressif, ce n'est pas des ruptures très brutales, comme l'apparition de Omicron qui avait 70 mutations par rapport à son virus. Il y a sinon des recombinaisons qu'on a vues apparaître entre deux virus quand ils co-infectent la même personne, les mêmes cellules, ils échangent le matériel génomique, et on l'a vu avec Delta et Omicron, mais il faut à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de circulation, les deux virus simultanément en population pour que la personne soit co-infectée par deux virus en même temps, et qu'au sein d'une cellule, il échange le matériel génétique, c'est quand même un phénomène relativement rare. Et puis il y a le passage zoonotique, c'est que ce virus peut venir d'animal, mais il peut aussi retourner chez l'animal. Et on a vu des épidémies chez les visons, notamment au Danemark. Et il y a eu aussi des épidémies chez les daims aux États-Unis. Et plus récemment, il y a eu des hamsters à Hong Kong, où là, ils ont très bien documenté des hamsters qui avaient été affectés par la variante Delta en Europe, exportés à Hong Kong, et qui ont infecté le propriétaire du magasin et les personnes qui les avaient. Ils ont eu 80 personnes infectées. Donc le virus peut passer chez l'animal et revenir chez l'homme, et à l'occasion du passage chez l'animal, peut se modifier. Mais de tous ces modes, glissement progressif par mutation, recombinaison lors d'une co-infection, passage chez l'animal et revenir chez l'homme, et infection chronique de plusieurs mois chez une personne immunodéprimée, c'est ce dernier scénario qui jusqu'à présent était le pourvoyeur des plus grands variants, et qui reste malheureusement un scénario encore complètement actif. Il a été documenté, comme je le disais, donc en Afrique du Sud, chez des patients atteints de sida, mais aussi il y a eu plusieurs documentations d'infections chroniques. On pense que variant alpha en Angleterre, c'était le cas. Et chez des patients atteints de cancer, sous chimiothérapie, etc., on a documenté en Europe, aux États-Unis, des cas d'infections chroniques avec des accumulations de mutations. Et donc, ça, c'est quand même aujourd'hui le principal risque de pourvoyeur d'un variant complètement disruptif qui ne ressemblerait à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, dans les messages qu'on a toujours par rapport aux nouveaux variants, on reste toujours prudent en vous disant, bon, avec les variants connus, on sait à peu près où on va et on aura des nouvelles vagues, mais avec l'infection, le battle immunitaire que ça constitue avec les infections, les injections, il y a de moins en moins de risques de faire des formes graves, mais on n'est pas à l'abri d'un variant complètement disruptif. Et pour moi, ce serait l'infection chronique qui, chez une personne avec déficit immunitaire, qui pourrait en être la source. Alors, le premier épisode qui s'est produit, c'était celui du variant alpha. Vous avez ici la courbe anglaise et la courbe française. On était premier confinement, vous voyez, octobre 2020. Là, nous, on avait fait un couvre-feu qui n'a pas marché. On confine, ça redescend. Les Anglais s'en sortent un petit peu mieux. Et puis, vers le 4-5 décembre, on a un mail d'un collègue du Imperial College, Andy Ferguson, qui est une sommité en mobilisation, et qui nous dit, tiens, chez nous, ça tourne mal, on a une stabilisation, et puis quand on fait des analyses de séquençage, on se rend compte qu'il y a une nouvelle population d'un nouveau virus qui est arrivé en Grande-Bretagne. Au début, on est un peu prudent, est-ce qu'il circule de façon plus active dans des groupes très connectés socialement et tout, mais très vite, il s'avère que ce nouveau virus est en fait plus transmissible. C'était variant alpha, et la Grande-Bretagne repart à la hausse, et Noël, le 1er janvier 2021, était très très dur pour les Anglais. Et chez nous, c'était parti. Alpha commence à arriver. Alors, au début, il était très très bas. Et puis, parti en exponentiel, il est arrivé à 50% au 1er mars 2021. Et il nous a entraîné inexorablement vers le dernier confinement qu'on a eu, fin mars 2021. Et là, c'était la course. La course entre le variant alpha, dont on savait qu'il était en train de s'installer sur le territoire français. Donc là, vous avez le Royaume-Uni, Irlande et Portugal, qui ont été touchés très tôt. Les Portugais, parce qu'à Noël, ils avaient eu une infection qui venait du Royaume-Uni. Irlande, ils sont proches du Royaume-Uni. Et rappelez-vous, ils avaient été très touchés, ils ont confiné, et ils sont descendus assez vite. Et puis, la France, on était là, et le variant alpha, en proportion, il a atteint 50% au 1er mars. Et puis, il s'est retrouvé majoritaire là, et on a dû avoir un confinement début avril, pour casser la courbe, parce que nous entraînait inexorablement vers une saturation des hôpitaux. Donc là, c'est le nombre de patients en soins intensifs. Hein. Donc, on devait être à 10 000, 12 000 patients en soins intensifs. La situation était plus tenable pour les REA, qui en plus étaient en surcharge depuis, continue depuis octobre. Ils étaient absolument épuisés, et il a fallu confiner à ce moment-là.
Et ce que je voulais dire, c'est qu'entre-temps, la course, c'était vacciner. Donc ici, vous avez les 20 courbes de vaccination en France. Dans l'échelle de temps, on est en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, et on vaccine par tranche d'âge. Rappelez-vous, c'est d'abord les plus de 80 ans, 75 ans, puis après les tranches d'âge plus jeunes, tout le vaccin est proposé, ça grimpe en flèche. Mais on est peut-être enfin à la course par rapport au variant alpha qui arrivait, ça n'a pas réussi à vacciner suffisamment de personnes avant que le variant alpha, que les hôpitaux saturent complètement, donc il a fallu quand même vacciner. Mais ça s'est joué à pas grand chose, et puis on a atteint des niveaux d'ouverture vaccinale qui ici sont, on est à 60, 80, 100%, vous voyez. Donc on arrive à partir de juin à des taux de 80% chez les plus de 70 ans qui commençaient quand même à être protégés. Je n'ai pas repris l'histoire des facteurs de risque, mais vous savez comme moi que les personnes les plus à risque sont les personnes plus âgées, les personnes avec des certaines formes de comorbidité. Et puis il y a eu quand même le fait qu'il y avait une certaine résistance au vaccin. Et la France était en Europe le pays où il y avait dans les sondages la plus forte résistance au vaccin. 40% des gens disaient en décembre 2020 qu'ils se vaccineraient, en creux 60% qu'ils ne se vaccineraient pas. Alors évidemment, il y avait dans les 60% des gens qui voulaient attendre d'avoir plus de données pour se laisser convaincre. Des gens hésitants et puis des gens complètement réfractaires. Mais ce noyau dur, avec le temps, c'est réduit, mais on est arrivé à un moment où il restait 15-20% de ce noyau dur. Et ça, c'était malheureusement suffisant pour entretenir une épidémie qui aurait pu conduire à nouveau à des confinements ou à des couvre-feux au moins en octobre 2021. Et donc, le 12 juillet 2021, rappelez-vous, Emmanuel Macron instaure le pass sanitaire qui devait être appliqué un mois plus tard. Et vous voyez qu'il y a eu ce pic. Ça, c'est la France. On était sur cette trajectoire et on a eu ce plus 13% de vaccins qui s'est fait à l'instauration du pass sanitaire de personnes qui, face aux contraintes qu'a porté le pass sanitaire, ont préféré être vaccinées plutôt que de ne pas aller dans des lieux qui étaient. Mais ça a été le pays où tous les autres pays, enfin beaucoup d'autres pays ont appliqué la même chose, mais l'impact, vous voyez, en Allemagne ou en Italie n'est pas aussi sensible, c'est vraiment la France. Et c'est probablement parce qu'il y a eu une annonce présidentielle en juillet qui a eu cette montée la plus perceptible liée à l'instauration du pass sanitaire, avec des gains économiques et des gains en vie humaine. Estimé dans ce papier à 4 000 personnes qui ont de décès en moins grâce au pass sanitaire et un gain de 6 milliards d'euros grâce au pass sanitaire. La question s'est posée de vacciner la planète et donc de voir comment est-ce qu'on arriverait à élargir et amener les vaccins dans les pays à ressources limitées. On pourra en reparler, c'est un enjeu du moment qui n'est plus une question de pénurie de vaccins, parce qu'il y a suffisamment de vaccins maintenant pour l'ensemble de la planète, mais des affaires de logistique, et puis après aussi de convaincre les populations, des pays d'Afrique par exemple, qui ont des réticences face aux vaccins comme on en a eu nous-mêmes. En plus, il y a une politique de distribution des vaccins qui leur a laissé entendre parfois qu'ils récupéraient des vaccins type AstraZeneca, les normes qu'on utilisait, etc. Un contexte complexe qui aura alimenté ce climat de défiance. Et puis il y a eu tout ce contexte de désinformation massif qui a circulé sur les réseaux sociaux avec les fake news sur. Ici, Johannes Ioannidis, qui est un statisticien américain qui, pour moi, était des figures phares dans les biostatistiques, tous les papiers qu'il a fait étaient absolument marqués les 20 dernières années et je le citais dans tous mes cours. Et assez curieusement, il est parti sur le clan des laisser la planète s'infecter et a développé des argumentaires autour de ça qui sont à la limite du négationnisme, qui ont justifié des articles dans la presse. Et c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a un esprit. Enfin, vraiment, qui pour moi était un exemple.
mais qui s'est un peu enfermé dans cette, son mode de pensée. C'est-à-dire qu'au début, je pense que le débat était tout à fait ouvert, hein, les différentes stratégies que je vous ai énoncées, les quatre stratégies. Puis on s'est rendu compte à un moment que finalement, il y avait des stratégies qui n'étaient plus possibles. Et là, il y en a qui ont su dire, on s'est trompé, on part en arrière, et puis d'autres qui se sont un peu enfermés en cherchant des contre-exemples et qui finalement ont alimenté. John Young dit, c'est vraiment complètement maintenant aliéné la communauté scientifique et ses pairs. Il y a eu toute l'histoire de l'oxychloroquine sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais juste pour vous dire que tous les essais, notamment randomisés, qui ont été faits, n'ont aucun effet. Un éditorial de Science qui dit qu'il faut vraiment travailler et étudier la désinformation, comme ça c'est Twitter qui est figuré ici, comme un vrai problème scientifique à la fois sur pourquoi est-ce qu'elle marche aussi bien, quels sont ses relais, comment les organiser, comment la contrer, parce que c'est quelque chose qui va bien au-delà de la Covid, comme vous l'avez compris vous aussi. Alors, pour terminer, je vais faire un petit passage en revue de ce que vous avez énoncé, les cas stratégiques, qu'est-ce qui finalement a marché et n'a pas marché. Donc, un des critères qu'on peut utiliser, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus objectif, qui est l'excès de mortalité. Toute cause de décès confondu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a bien l'excès de mortalité? Parce que, d'abord, le diagnostic est simple, c'est vivant ou mort. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on vous dit est-ce qu'il a eu la Covid, est-ce qu'il est décédé de la Covid ou d'une autre pathologie et tout, ça devient plus compliqué. Mais si vous dites vivant ou mort, tout le monde est à peu près d'accord sur le diagnostic. Ensuite, tous les pays comptent ont des registres de décès qui ne sont pas forcément tous très réactifs, mais quand même. C'est dans la majorité des pays, on arrive à des données sur des décès qui sont fiables parce que ça fait partie d'actes, enfin de l'État. Compter les naissances et les décès, qu'on peut se dire qu'il y a des retentissements indirects. On a parlé des déprogrammations, on a parlé des surcharges hospitalières qui ont pu aussi altérer les soins. Il y a eu des effets inattendus, mais pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup moins d'infarctus du myocarde, parce que les gens restaient chez eux, donc ils avaient pu faire leur jogging. Il y a eu moins d'accidents par route, il y a eu moins de violence, il y a eu moins de. Bon voilà, quand vous regardez les gens chez eux, finalement, il y a des effets paradoxaux inattendus, mais après, il y a tout le problème. À l'inverse, des déprogrammations de soins, etc., qui vont avoir des effets sur le long terme qu'on n'a pas encore pu mesurer. Mais donc l'excès de mortalité, il a l'avantage de prendre en compte tout ça et d'être assez objectif dans son évaluation. Après, la Covid, ce n'est pas simplement la mortalité. Il y a eu peut-être en France 125 000 personnes décédées, mais il y a eu 135 000 personnes qui sont passées en réa, il y en a 800 000 qui sont passées à l'hôpital. Il y a eu tous les autres impacts que vous avez entendus sur la santé mentale, etc. Enfin, donc, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais bon, celui-là, ce côté d'objectivité et d'être disponible pour tous les pays, qui a quand même à l'intérêt. Alors, quand vous regardez l'excès de mortalité sur l'ensemble des pays qui sont ici, vous voyez que c'est les États-Unis qui ont l'excès de mortalité le plus élevé. Puis là, j'ai l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, Portugal, Belgique, Pays-Bas, France, Suisse, Suède, Allemagne, Irlande et Danemark. Mais regardons par la stratégie ce qui s'est passé. Dans les pays qui ont fait du stop and go, l'Italie. Je ne les ai pas ici. Alors, l'Italie et l'Espagne, j'aurais pu les mettre, je ne les ai pas ici, ont été très pénalisés par la première vague qui a été extrêmement dure chez eux. Puis après, ils sont restés à un niveau un peu plus élevé. Mais en gros, si vous prenez ces autres pays ici, vous avez Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et France. Bon, on a tous suivi un peu les mêmes vagues stop and go et on finit avec une fourchette qui va ici, pas du simple double, mais pas très loin, entre la France et le Royaume-Uni. Je vous rappelle que Boris Johnson a beaucoup laissé circuler quand même s'il a confiné, quand il n'y avait plus trop de choix. Si vous regardez maintenant les pays qui ont laissé diffuser et que vous comparez les pays qui sont comparables, c'est-à-dire que la Suède, en termes de densité, de latitude, de beaucoup d'autres critères, ne peut pas être comparé à l'Allemagne ou la France, mais si vous comparez la Suède à la Finlande et la Norvège, vous voyez que la première année 2020, laissé circuler a été très très préjudiciable à la Suède. Ils ont pris un excès de mortalité très fort qu'ils ont un peu rattrapé sur la fin, mais pas le
concrètement par rapport à la Finlande et la Norvège. Et là, ils ont une mortalité qui a été 6 à 10 fois supérieure à celle des pays comparables. Le pays qui, je vous ai cité en exemple, c'est le Danemark, et que vous voyez ici, ils en sont sortis quasiment indemnes sur toute la durée, avec des anticipations et des déconfinements très précoces. Et puis le zéro Covid, vous avez ici l'exemple, alors vous ne pouvez pas les voir, mais c'est les pays que je citais tout à l'heure, vous avez Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, avec quand la vague Omicron est arrivée, le nombre de cas qui a augmenté beaucoup, mais sur les décès, vous avez Hong Kong qui est ici, et puis Australie, Nouvelle-Zélande, etc., les autres, parce qu'ils avaient vacciné, avec de l'ARN messager et toute leur population. Et le drame de Hong Kong et le drame de la Chine aujourd'hui, c'est qu'ils ont vacciné avec un vaccin inactivé Sinovac, qui est moins efficace que les ARN messagers, et surtout, ils n'ont pas couverture de doses de rappel chez les plus de 80 ans suffisante. Et donc, Hong Kong a eu une vague en mars 2022 qui était du niveau de celle qu'on a connue en Angleterre, à Londres et à New York, qui ont été les deux capitales les plus touchées du monde occidental. Mais ils l'ont eu 2 ans plus tard. Et vous voyez ici que le taux de rappel chez les plus de 80 ans n'est que de 20%, ce qui est très insuffisant par rapport à ce qu'on a dans les autres pays. Et puis, ils avaient du Sinovac et pas de la ARN messager. Donc, ils ont vraiment payé très très cher le manque de vaccination des plus âgés, et c'est ce qui arrive aujourd'hui à la Chine. Ils sont exactement dans la même situation, avec un variant qu'ils ne vont pas pouvoir contenir, et une population âgée qui n'est pas protégée. Donc, dès qu'ils vont lâcher, les hôpitaux vont se remplir, et politiquement, Xi Jinping ne veut pas en entendre parler. Mais ils avaient relâché un peu Shanghai, ils vont continuer avec le Shanghai. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir faire le Yu-Gi-Oh, ça va être très très dur. Ça, c'est une photo d'un hôpital de Hong Kong qui est donc Queen Elizabeth avec ces mots « You are very sorry », on est très désolé du confort que l'on crée aux patients. Ce que vous voyez ici, c'est 2 patients et ici, c'est 6 accouchements. Ils ont été, en mars 2022, complètement débordés, ils n'arrivaient pas à évacuer les patients. C'est vraiment pour vous dire qu'on l'a peu entendu ici, hein, mais ils ont eu la situation plus haut, on a connu, avec, dans la période la plus difficile de la crise. L'OMS a récemment publié une estimation de ses excès de mortalité avec des techniques un tout petit peu différentes de celles que je vous ai présentées auparavant. Les ordres de grandeur que je vous ai montrés tout à l'heure se retrouvent. Et dans les pays les plus touchés, il y a le Pérou, l'Amérique latine a été très très durement touchée, la Russie, la Roumanie, etc. Puis vous trouvez ici l'Italie. Alors, le Germany Old et Germany New, c'est qu'il y a eu ils ont recalculé parce que les Allemands n'étaient pas contents d'être là et il y avait effectivement eu quelques erreurs et les Allemands en fait sont ici. De la même façon que les Suédois qui étaient ici ont été remontés un petit peu plus haut. Et je vous rappelle qu'il faut comparer la Suède avec ses voisins Norvège et Finlande qui ont été beaucoup touchés par rapport aux autres. Mais vous voyez que finalement la France s'en sort plutôt pas mal. On est dans les pays qui ont été dans des stratégies autres que zéro Covid, parce qu'on ne pouvait pas faire de zéro Covid en France, on s'en est plutôt sorti pas mal pour l'instant. Et je termine avec une seule diapo pour vous. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais au début on a toujours raconté que c'était la santé contre l'économie. Et que si vous fermiez tout, vous allez protéger des vies, mais vous allez tuer l'économie. Et en fait, le Financial Times montre très tôt, c'est ce premier graphique, où vous avez ici, donc là, c'est le nombre de décès donc sur l'abscisse, et en ordonnée, vous avez la baisse du PNB, du produit national brut. Et là, vous avez les pays qui, économiquement, ont mieux résisté et ont eu moins de décès. Et ici, vous avez les pays qui ont économiquement eu la plus grande chute du PIB et le plus de décès. Et donc, en fait, ce que je vous racontais sur le Danemark, hein, que vous pouvez trouver ici, c'est cette même histoire, que ce n'est pas du tout la santé contre l'économie, mais quand vous agissez tôt, vous préservez les vies humaines et vous préservez aussi votre économie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas complètement passé dans les esprits. Maintenant, la très grande difficulté, c'est comme je disais tout à l'heure, le confinement précoce qui vous permet d'anticiper et éviter que les hôpitaux se remplissent et vous permet de déconfiner plus vite. Vous devez le mettre en place à un moment où il se passe rien. Et comment dire aux gens on ferme alors qu'il ne se passe rien, c'est très compliqué.
Donc les Danois, pour des raisons historiques, et les etc., que j'ai citées, ont pu le faire. Il n'y a pas de pays qui ont réussi, les autres ont tous fait la même chose. On devait attendre une situation un peu plus. À peu près le panorama, je voulais vous donner une analyse un peu critique de ces deux premières années. Et je suis à votre disposition pour vos questions. Moi, je voulais poser au moins une première question sur, dans la continuité de la fin de votre exposé, quels sont les rapports et l'entrechevêtement entre l'économie et la santé. En posant un peu en vrac quelques questions, on a bien compris un peu l'analyse qui a été faite de toutes les mesures au regard du nombre de vies économiques, enfin, sauvées, d'un certain nombre d'indicateurs. Mais les effets de bord économiques ont aussi des impacts sanitaires. Je crois que j'ai été tombé sur un rapport de l'UNICEF qui parlait dans les pays africains des conséquences des impacts économiques en termes d'accès aux vaccins, d'accès aux soins pour, je dirais, des maladies endémiques là-bas, et qui chiffrait ça en centaines de milliers de victimes possibles selon un certain nombre de projections. Donc ma question, première question, elle porte autour de ça. Est-ce que, alors bien sûr c'est très dur d'évaluer dans le feu de l'action qu'est-ce que vont être toutes les conséquences, mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait a posteriori pour essayer de tirer un bilan sanitaire qui incorpore les conséquences sur l'économie qui ont des conséquences sanitaires derrière? Ça c'est une chose, mais deux, trois questions ensemble. C'est un premier niveau de question. Deuxième question, on a évoqué l'OMS, et puis en fait vous avez beaucoup parlé de la comparaison des politiques entre différents pays. L'OMS a attiré l'attention plusieurs fois en disant attention, vaccinez moins, enfin, je dirais qu'il y a un peu dans nos pays, pour vacciner plus en Afrique, parce que c'est une stratégie globalement meilleure et gagnante de faire ainsi. Donc ça revient un peu à cette question qui est où est l'optimum si on prend en compte la dimension économique versus la dimension sanitaire, mais l'économie a des conséquences sanitaires, et où est l'optimum si on prend en compte chacun dans son pays fait au mieux, où est-ce qu'il y aurait, si c'était possible, une politique, je dirais, supranationale qui du coup pourrait être plus efficace. Je ne sais pas si je suis clair. Si, alors après je vais pas pouvoir vous répondre sur la première qui sort vraiment de mon champ de compétences, mais... Cette diapositive vous montre quand même que le lien santé-économie n'est pas aussi... Il y a eu des fermetures, etc., mais les pays qui les ont fait et qui les ont fait très précocement ont réussi finalement à fermer moins longtemps et du coup à mieux préserver leur économie. Donc je me suis quand même beaucoup battu pendant toute cette crise pour dire attention, c'est pas... fermer tôt, ça peut être au contraire une mesure extrêmement pertinente, simplement elle est peu acceptable. Donc ça j'entends aussi tout à fait hein, dans les populations. Mais il faut surtout comprendre par rapport aux mesures les plus dures qui étaient le confinement, on n'avait juste simplement pas le choix. C'est en mars 2020, alors qu'on a pu reconstruire la courbe épidémique, le nombre de cas doublait tous les 3 jours. On pense, dans ces papiers de Science, de ces mots cauchemars que je vous ai montrés, qu'il y avait le 12 mars, il y avait 100 000 cas sur le territoire français. Ça veut dire que le 15 mars, il y en avait 200 000. Et le 18 mars, si on fait abstraction du confinement le 17, 400 000. Vous voyez qu'on était dans des dynamiques incroyables. Ça se traduit sur les réanimations, par le fait que quand on fait nos projections, vous vous retrouvez un jour à 6 000 patients admis en réa, et vous savez, vous avez une capacité de 12 000. Et 3 jours plus tard, si vous n'avez rien fait, vous avez doublé votre nombre de patients qui arrivent en réa. Alors les gens disaient oui, augmentons le nombre de réa. Ben, on peut les augmenter, mais passer de 6 000 à 12 000 de réa, c'est déjà un effort colossal, parce que 6 000 c'est notre capacité de base. Je ne parle pas des équipes qui doivent venir, c'est beaucoup d'infirmières et de médecins et d'aides-soignants par les réa. Vous ne formez pas des infirmières de réa et des médecins de réa comme ça. Et quand on est sur des temps de doublement après 3 jours, c'est ce qui arrivait quand il n'y avait aucune mesure, mais dans des mesures plus réalistes au mois d'octobre ou en frêle, le temps de doublement il est quand même 15 jours. Mais donc, augmenter les lits de réa de 6 à 12 000, c'est très bien, vous gagnez 15 jours. 15 jours plus tard, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a toujours un moment où vous êtes obligé de fermer.
Parce que quand vous saturez l'aria, ça veut dire que vous ne pouvez plus admettre de patients, pas simplement les Covid, mais les infarctes sévères, les hémorragies méningées, les méningites, toutes les autres pathologies qui nécessitent. Donc de toute façon, au début, on était obligé, à un moment ou à un autre, de dire faut fermer parce qu'on reste saturé, avec l'impact économique que ça aura. Et en fait, plus on ferme tôt, mieux c'est, mais ça, c'est, comme je le disais, un message qui est assez mal parce que quand on ne voit rien, on n'a pas envie de fermer. Le coût économique de la crise a été estimé à peu près à 300 milliards d'euros pour la France. Ça prend en compte à la fois les coûts directs des diagnostics, soins, surveillance, hôpital, etc. Les aides de l'État sur les restaurants, les commerces couchés, etc. Et puis la baisse du PIB parce que l'économie s'est ralentie. 300 milliards d'euros, c'est absolument phénoménal. À l'échelle planétaire, le Fonds monétaire international estime que c'est 18 000 milliards d'euros que cette crise nous a coûté. Donc on est dans des échelles absolument comme ça. L'impact sur le long terme de tout ça, je suis incapable de vous le dire parce que c'est des ramifications qui sont effectivement sur le long terme et qu'on ne maîtrise pas. Mais le seul message que je voulais vous faire passer, c'est que de toute façon, par rapport à des mesures très dures de confinement, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, quand on est parti, qu'on ait des temps de doublement, qu'il soit de 3 jours ou 15 jours parce qu'on freine un peu, de toute façon, si vous doublez le nombre d'admissions en réa, tous les 15 jours, très vite, vous arrivez à un moment où le système casse et donc vous êtes obligé de faire le revenir. Et ça, c'est très dur. Pour nous, on est toujours resté au conseil scientifique sur un avis sanitaire. On n'a jamais voulu rentrer dans le social, l'économique, l'éducation, qui ne relevait pas de nos compétences. Et qui pour nous était la décision du gouvernement. Donc on essaie de les éclairer au mieux sur les conséquences sanitaires, avec des scénarios et en leur disant voilà ce qui se passe si vous faites ça, ça et ça, en termes de nombre d'admissions à l'hôpital et de saturation des lits, et au gouvernement de faire l'arbitrage, où le gouvernement prend en compte l'économie, le social, le moral des Français, l'éducation et tous les autres éléments. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir toutes les compétences sans avoir ajouté un économiste au sein de notre conseil scientifique, on n'aurait pas pu faire tout. On était 15 pour le champ sanitaire, on avait déjà du mal sur le champ sanitaire. Et pour moi, c'était important de rester en contact avec mes collègues épidémiologistes pour être sûr que je n'étais pas tout seul dans mon analyse. De la même façon que chacun de nous, dans notre discipline, on restait en contact avec notre réseau disciplinaire pour être sûr qu'on ne se marginalisait pas dans notre perception et compréhension de la situation. Mais on a choisi de rester en champ sanitaire. En revanche, on a discuté avec des économistes. Donc on pouvait inviter un groupe d'économistes qui viennent nous parler et nous dire un peu ce qu'il en est. Ou des gens spécialistes de l'éducation, ou des gens spécialistes de l'analyse des comportements sociaux, etc. On avait deux spécialistes de sciences sociales au sein du conseil scientifique. Mais donc on s'informait pour ne pas être complètement aveugle de tout ce qu'il y avait autour. Mais en revanche, on ne s'apprendrait pas dans le champ de compétences. Et de toute façon, on pensait que c'était des arbitrages qui relevaient du gouvernement et que nous, en revanche, on devait donner l'analyse de la situation sanitaire la plus juste possible. Mais vous avez raison qu'il y a eu des tas d'impacts indirects. En revanche, comment les mesurer, comment les attribuer à la crise, etc., je pense que ça va être extrêmement difficile. On a perdu un à deux ans d'espérance de vie à peu près dans les pays en parallèle de ce que je vous ai montré sur les excès de mortalité, mais il y a eu des ramifications, y compris sur l'éducation et tout le reste, qui mettra des décennies des années en tout cas, à comprendre et à analyser. Là, c'est trop tôt. C'est en plus des analyses, à mon avis, très très complexes à mener. Donc, voilà pour la première question. Ma deuxième question était autour de l'optimisation de la répartition des vaccins entre les différents pays. Les filles. Vaccinés, bon. Il y a un moment où, d'un point de vue éthique, il est évidemment choquant de voir des vaccins partir dans certains pays. Ben, c'est vrai pour beaucoup de maladies, hein. Mais là, il se trouve que le monde s'était emparé de la question de la Covid, et que donc, il était logique aussi de se dire que tous les pays devraient en bénéficier de la même façon. Donc, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place, de redistribution de vaccins, et l'Europe d'ailleurs a dégagé
des vaccins pour les pays du Sud de façon assez efficace. Au début, quand on était en tension, bien sûr, les tensions étaient très visibles, puisque déjà, on voulait tous assurer dans chacun des pays respectifs que la population envisagée soit vaccinée le plus possible. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'après 6-12 mois, on s'est retrouvé, parce que les productions de vaccins ont été très importantes, à un niveau de stock de vaccins qui permettait une redistribution. Après, la redistribution du vaccin, c'est toute une aventure en termes de logistique. Avec des vaccins au début difficiles à manipuler, comme la ARN messager, etc. Plus facile pour d'autres. Mais les vaccins peuvent arriver à l'aéroport d'un pays africain. Toute la chaîne qui va après pour le distribuer, c'est encore la partie la plus difficile, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, la question de pénurie de vaccins n'existe plus. Mais, en revanche, c'est une opinion personnelle que je donne ici, elle ne reflète rien à l'avis d'une instance quelle qu'elle soit. Pour moi, c'est d'abord aux pays eux-mêmes de décider où ils placent leur priorité de santé, et je ne suis pas sûr que pour la majorité des pays africains, la vaccination du Covid soit une priorité par rapport à d'autres problèmes de santé qu'ils ont. Bon, c'est l'avis que je dis comme ça, qui n'est pas documenté. Mais de toute façon, c'est d'abord aux pays de décider ce qu'ils veulent faire. Après, si nous, on peut les aider, s'ils nous disent notre priorité, c'est vacciner pour la Covid, alors qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les aider, ça me paraît évidemment la chose à faire. Maintenant, de se dire, comme on l'a raconté, moi le premier, c'est un éditorial que je vais montrer sur les diapos, que vacciner la planète, c'est la meilleure façon de se protéger tous, était une façon d'encourager le mouvement général, c'est pour ça que je le disais. Je le pensais sincèrement à l'époque. Aujourd'hui, avec des virus qui échappent aux vaccins, comme ils échappent aujourd'hui, c'est-à-dire que même si vous vaccinez, le virus va continuer à circuler, l'idée d'étouffer la circulation du virus avec des vaccins, on ne l'a plus. Donc le rationnel qui existait de dire vacciner la planète pour étouffer la circulation du virus ne tient plus, parce qu'on a des virus qui continuent de circuler, même si les gens sont vaccinés. Le vaccin permet d'éviter les formes graves, c'est pour ça qu'on vaccine, mais ne permet plus d'étouffer la circulation. Donc ce rationnel de dire protégeons toute la planète si on veut être protégé nous-mêmes, n'a plus de validité aujourd'hui. Et comme je le montrais, le risque principal d'émergence de variants, il est plus dans l'infection chronique chez des personnes avec déficit immunitaire sévère, quel que soit le déficit immunitaire, que dans la circulation d'un variant parce que la population n'est pas immunisée. S'il fallait une raison supplémentaire de traiter les patients vaccinés en Afrique du Sud, ça en serait une. Mais ce qu'il n'y en a pas besoin de faire dans l'hémisphère nord, ce sont aussi des sources et sont aujourd'hui des personnes qui sont probablement les plus vulnérables face à cette pandémie. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a malheureusement les personnes âgées doivent faire des rappels fréquents parce qu'elles souffrent entre guillemets d'immunosénescence et leur système immunitaire réagit moins bien et la protection baisse avec le temps. Mais elles peuvent continuer à se vacciner assez régulièrement. Les personnes avec déficit immunitaire sévère, en revanche, certaines, après 4 ou 5 injections vaccinales, n'arrivent toujours pas à produire des anticorps. Et elles sont 300-400 000 personnes en France, c'est des transplantés d'organes, des insuffisants rénaux, quelques chimiothérapies particulières. Et aujourd'hui, elles sont 40% des patients en cœur. Elles sont très surreprésentées en réanimation, parce que malheureusement, elles cherchent à se vacciner, elles ont 5 injections, mais elles n'arrivent pas à fabriquer d'anticorps. Et pour ces personnes-là, il y a la possibilité d'avoir des anticorps monoclonaux, qui sont en fait, vous injectez ces anticorps que vous n'arrivez pas à fabriquer, et vous les gardez 3 à 6 mois. Mais, avec chaque variant, les anticorps peuvent changer. Et du coup, on est un peu coincé, parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à mettre au point un nouvel anticorps monoclonal pour un variant donné, un nouveau variant est arrivé, notre anticorps monoclonal ne marche plus. Donc il y a une course compliquée pour pouvoir fournir ces anticorps monoclonaux qui sont finalement la seule solution aujourd'hui pour des gens qui n'arrivent pas à fabriquer d'anticorps en dehors d'antiviraux, comme le Paxlovid, qui effectivement a réduit par 10 le risque d'hospitalisation si vous prenez dans les tout premiers jours. Mais là, on se rend compte de difficultés qui diagnostiquent très précoce. J'en profite pour dire quelques mots sur le vaccin, je ne vais pas continuer à faire le traitement dans la présentation, mais attirer votre attention sur le fait que les déficits immunitaires sévères vont être la population la plus vulnérable dans les prochains mois,
et que voilà, il faut absolument faciliter l'accès aux anticorps. Oui, bonsoir. J'aimerais que vous nous parliez de la vaccination des enfants, s'il vous plaît. Alors, en trois mots, j'ai vacciné mes enfants, ça fait un peu plus que les enfants 5, voilà. Ça, c'est ma réponse. Donc, vous avez mon intime conviction. C'est déjà ça. Et de façon plus élaborée, le vaccin, globalement, reste très sûr aujourd'hui, sur toutes les données qu'on a chez les enfants. Il y a des essais qui viennent de sortir pour les résultats des enfants 6 mois, 4 ans ou 5 ans aux États-Unis, mais on avait déjà les 5 ans et plus. C'est un vaccin très sûr. Les seuls effets désirables qui ont été observés chez certains enfants sont des myocardites bénignes qui se traitent avec à domicile avec des anti-inflammatoires de l'ibuprofène quelques jours. Chez les jeunes garçons 10-13 ans, pour cibler un petit peu, c'est pas tous les enfants. Et ça reste rare. En gros, si je devais vous dire le risque d'hospitalisation après un vaccin comparé à le risque d'hospitalisation après une infection, le ratio doit être entre 10 et 100 en faveur du vaccin. Vous avez 10 fois à 100 fois moins de risque d'être hospitalisé après avoir été vacciné qu'après une infection. Et quand vous avez des virus comme le micron qui circulent énormément, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez être infecté. Donc la comparaison reste bien. Après, le risque est devenu très faible pour les enfants, maintenant, de faire des formes graves, parce que le micro est quand même moins sévère que les prédécesseurs. Et donc, les risques dont je parle, même si le ratio est élevé, ils deviennent extrêmement faibles pour les enfants de faire une forme grave après l'infection. Simplement, c'est parce que sur la base de l'ensemble des données que j'ai pu lire, il y a un bénéfice pour eux, direct. Maintenant, je reconnais qu'avec le micro, le risque est très faible. Ce bénéfice, c'est de faire passer quelque chose de très faible à très très faible. Et alors, les traitements en dehors de ce que vous avez dit pour les immunodéprimés, c'est ça que vous dites comme ça? Il y a des traitements. Alors, il y a sous-entendu, mais pas hors de prix, est-ce que vous dites? Donc, il y a le Paxlovid que vous mentionnez, inhibiteur de protéase, qui, donné dans les 5 premiers jours, diminue. Alors, sur l'essai clinique PRINCEPS, 90% de votre risque d'hospitalisation, et dans les études en vie réelle, par exemple Hong Kong, ils l'ont utilisé pendant la BA2, on a diminué à peu près 70% de risque d'hospitalisation. Donc c'est un traitement qui dure 5 jours. Idéalement, il faut le donner selon ce qu'on appelle le test and treat, c'est-à-dire que vous allez chez votre pharmacien, vous faites un test antigénique, le test est positif dans les 10 minutes, et vous repartez avec votre boîte à la maison. C'est comme ça que ça marche. En pratique, il y a des réticences parce que pour être actif, la molécule est associée à une autre molécule qui donne des interférences avec des médicaments, donc il y a une série d'interactions médicamenteuses qui rendent les médecins un peu réticents à son utilisation large. Et ces interactions médicamenteuses, vraisemblablement, elles peuvent jouer un rôle si vous prenez le traitement de façon chronique, ce qui est le cas parce que c'est un des antiviraux du VIH, donc vous le prenez de façon quotidienne pendant des mois. En revanche, sur le traitement de 5 jours, on a le sentiment qu'il y a très très peu de risques. Donc simplement, tant que ce n'est pas documenté. Alors là, en France, c'est très peu pris. En Italie, ça marche pas mal. Et c'est quand même une piste pour la suite, parce qu'on peut imaginer à l'automne prochain d'avoir des autotests chez vous quand vous êtes enrhumé, vous dites est-ce que j'ai la Covid ou pas, je vais aller rendre visite à ma mère, je peux faire un gaffe, je vais faire un autotest, je suis négatif, je suis de bêche, mais parce que quand même, truc comme ça. Et puis pour les gens de plus de 60 ans à risque de forme grave, vous allez chez le pharmacien, vous faites un test antigénique, vous êtes positif, vous partez avec votre pack Covid. Ça pourrait être tout à fait une stratégie qui se tiendrait. Et simplement, il y a cette petite barrière, mais qui, je pense, sera levée quand les publications sur le Paxlovid vont sortir et qu'on verra qu'il n'y a pas eu d'accident d'interaction médicamenteuse parce que l'utilisation est courte. Le prix, en revanche, reste élevé. Maintenant, bon, c'est des choses qui peuvent s'arranger avec des économies d'échelle sur les achats coupés, etc. etc. Mais le prix reste élevé. Je n'aurais pas voulu dire parce qu'il est variable sur le prix, mais je pense, je peux me tromper, je dirais quelques centaines d'euros par traitement.
Mais je peux me tromper, mais c'est l'ordre de grandeur que je dis. Quelques centaines d'euros, je crois 400 euros par traitement, par exemple. Mais je peux me tromper, voilà. En fait, j'ai pas trouvé l'information qui n'est pas facile à trouver et qui varie sur les pays. C'est un peu l'ordre de grandeur européen. Et ça pourrait être moins cher. Il y a eu un certain nombre de personnes qui disaient, de toute façon, les labos pharmaceutiques trouveront, il n'y a que des médicaments chers et les nouveaux qui pourront rendre très très chers, qui marcheront contre le Covid. Et il me semblait que les anticoagulants et les corticoïdes avaient quand même été des traitements peu chers, largement répandus. Est-ce que vous pouvez compléter un peu sur les autres traitements que En fait, ce sont pas les mêmes indications. Les anticoagulants et les corticoïdes sont utiles pour les patients une fois hospitalisés, dans leur prise en charge. Les corticoïdes, dans la deuxième semaine d'évolution de la maladie, quand on passe à la phase inflammatoire, quand on est sorti de la phase virale, mais c'est vraiment des gens qui sont hospitalisés. Hein. Les anticoagulants, de la même façon, ils ont été un peu trop utilisés au début. Maintenant, les hospitaliers commencent à diminuer l'utilisation des anticoagulants par rapport à des accidents qu'ils ont eu. Mais ça, c'est des patients hospitalisés. Ce dont on parlait là, c'est vraiment, vous êtes chez vous, j'ai un peu de fièvre, je vais voir mon pharmacien, 10 minutes plus tard, je suis positif, je repars avec le Paxlovide. Donc là, c'est vraiment du traitement ambulatoire, c'est pas le même usage. Mais donc, corticoïdes et anticoagulants, effectivement, eux, c'est pas cher du tout, pour le coup, et ont été les premiers traitements d'efficacité prouvée dans la gestion des cas hospitalisés. Et le coût des anticorps monoclonaux? Ah, ça c'est élevé, on est encore dans la quelques centaines d'euros, mais je peux me tromper, c'est l'ordre de grandeur. Pour des injections qui vont durer 3 à 6 mois de protection. Quelle est la base en fait pour logique des Chinois de refuser Morticus les vaccins qui fonctionnent, ils ont pu quand même s'en rendre compte, et d'un autre côté d'imposer un confinement très très dur à leur population, Alors, sur l'attitude du gouvernement chinois, en fait, ils sont un peu enfermés dans une stratégie qu'ils ont présentée comme étant un succès, qui est la stratégie zéro Covid. Et ils ont du mal à admettre que cette stratégie avait des limites. Ils pensaient qu'ils pouvaient, en fait, bloquer n'importe quel type de variant avec le zéro Covid. Mais avec Omicron, qui est beaucoup plus transmissible, la stratégie est plus en défaut. Donc, reconnaître cette mauvaise appréciation est quelque chose de très difficile pour le gouvernement chinois. Se rajoute le fait que, évidemment, il fallait vacciner avec des vaccins efficaces pendant la période du zéro Covid, donc le jour où on lâcherait, les gens sont protégés. Ils l'ont fait avec moins de célérité qu'ils ont pu faire d'autres choses parce qu'ils pensaient que le zéro Covid les protégerait de toute façon. Et donc, ils n'ont pas insisté sur la vaccination des personnes très âgées, par exemple, parce qu'ils pensaient qu'ils n'en auraient probablement pas besoin. Et puis là, ils sont un peu coincés. C'est de reconnaître cette erreur d'appréciation qui, je pense, est très difficile. Ils sont en train de lancer les premiers essais de leur propre vaccin à MSG et de leur propre Paxlovid. Et ils ont acheté quand même le Paxlovid, ils ont dû acheter un peu d'ARNSG, mais pas en quantité, enfin, 1,3 ou 4 milliards d'habitants. Vous enlevez les enfants, on s'est compris. Et tout ça les amène plutôt sur une sortie de crise début 2023. Et je pense que ça va être très compliqué de faire ce aujourd'hui, confinement, voilà, chacun, on est parce que vraiment, du coup, on est incroyablement transmissible, donc ils vont écrire des choses. Et donc, ensuite, les autres vaccins, il y a eu quelques vaccins qui. Alors, Sputnik, c'est le même principe que celui d'AstraZeneca, un adenovirus avec protein spike. Il donnait dans les résultats des premiers essais, des résultats qui étaient du même ordre de grandeur que le vaccin AstraZeneca. En revanche, quand il a fallu fournir un dossier aux autorités européennes pour accréditer le vaccin, ils n'ont pas pu fournir toutes les pièces nécessaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à fournir. Et je pense aussi qu'il y avait des difficultés de production de déchets en termes de quantité de vaccins par rapport aux objectifs de vacciner. Les Russes se sont pas beaucoup vaccinés contre Sputnik. Disons, pas souvent. La population russe est restée assez prudente vis-à-vis du vaccin contre le canon. Mais, possiblement, c'est un vaccin qui marche. Il y a des vaccins inactivés qui ont été faits dans beaucoup d'endroits.
globalement, ils ont tous une efficacité un peu inférieure au vaccin ARN messager. La clé serait probablement de répéter je pense que le Sinovac chinois, avec 3 ou 4 injections contre les formes graves, pour ce moment, devrait commencer à avoir un impact, en tout cas, ce que les études neutralisation. Mais il faut les répéter, et une fois de plus, l'ARN messager, c'est l'ARN supérieur. Le vaccin qui va probablement être intéressant, les deux vaccins à protéines subunitaires, des vaccins très classiques, celui de Sanofi notamment, qui pourraient arriver à l'automne prochain et qui pourraient être intéressants. Mais il aura fallu entre 1,5 à 2 ans de production. Ils n'ont pas eu la possibilité de fabriquer à la vitesse des ARN messagers. Ils ont eu quelques erreurs d'ajustement au départ, et là je pense qu'en revanche, la formule qu'ils vont probablement déposer très vite une accréditation, si ce n'est pas déjà fait, pourrait être un complément intéressant parmi les vaccins existants en automne. Donc on verra. Pour revenir sur la transmission, si on refaisait avec l'ARN messager, c'est relativement rapide à faire, visiblement, quand est-ce qu'on aurait un nouveau vaccin adapté au Omicron pour. Alors là, les vaccins qui vont sortir l'automne prochain vont être bivalents. Il y aura la souche SRA, qui est le vaccin que vous avez beaucoup d'entre vous reçu, et Omicron. BA. Donc c'est pas BA5. En septembre, vous avez octobre, je pense. Donc ce sont des vaccins bivalents. Moderna vient d'annoncer leurs résultats, qui sont très encourageants. Et après, il y a une chaîne de production, 3 mois, je pense, avant qu'ils puissent commencer à fournir. Mais rappelez, au début, pas pour tout le monde, alors, on continuera à se vacciner avec le vaccin qu'on a. Les rappels vont pouvoir se faire avec le vaccin classique. Mais la prochaine génération, ce seront effectivement ces vaccins dits bivalents, qui couvre la souche ancestrale et Omicron, ou bêta et Omicron. Le vaccin, en dehors des vaccins protéiques que je citais, comme Sanofi, qui peuvent devenir intéressants prochainement, il y a aussi les vaccins qui se donnent par voie intranasale et qui stimuleraient une réponse de la muqueuse respiratoire. Ça, c'est intéressant, parce que ça peut bloquer l'infection. Parce qu'on a bien compris que les vaccins tels qu'on les utilise aujourd'hui ne bloquent pas l'infection, même s'ils protègent les formes. Et ça, pour l'instant, ça marche à la survie. Et donc, il faut un peu de temps pour que ça marche. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a coûté en vie le nombre de masques au début de l'épidémie en vie, et est-ce que ça aurait permis d'éviter de raccourcir les périodes de confinement? C'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'on sait s'il y a eu ou non des refus d'hospitalisation de personnes âgées ou de réanimation de personnes âgées? Et alors, troisième question totalement différente. Il semble que les Chinois n'aient jamais rapporté les phénomènes de perte de goût ou d'odorat. Est-ce qu'on comprend pourquoi? Alors, je ne saurais pas vous répondre à votre première question sur les manques de masques. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que les choses se sont accélérées très rapidement sur fin février, début mars. Mais jusqu'au 25 février, en dehors des 6 cas et puis des 6 cas qui étaient arrivés fin janvier, il n'y avait pas un seul cas sur le territoire français. Donc, la situation, comme je l'ai dit, en France, le premier cas, il y a eu le rassemblement évangélique 17-22, premier cas détecté 25. Donc, en gros, c'est le 28 février, 1er mars, qu'on a commencé à voir que l'épidémie démarrait. On en avait des preuves tangibles et on était à 15 jours du confinement. Mais est-ce qu'au mois de mars, au mois de février, si on avait eu des masques, les gens auraient porté des masques alors qu'il y avait 0 cas sur le territoire français? Peut-être, je ne peux pas vous dire. Enfin, vous voyez, je pense que quand on. Il faut se rappeler ce que c'était quand même. C'est pour ça que pour moi, il y a eu un bascule qui s'est fait au mois de février, était à moitié long. Je me disais, mais où est-ce qu'il y a ce virus? Il y avait 0 cas. Alors bien sûr, il y avait. Si on avait eu des tests pour aller tester dans l'Oise, etc., on se serait rendu compte qu'à Crépy, il y avait un foyer qui démarrait. Enfin, c'était Crépy, c'était pas l'ensemble de la France. Hein. Mais voilà, si vous aviez eu 0 cas sur l'ensemble du territoire, il aurait pu y avoir une recommandation de masque. Est-ce que les gens auraient commencé à porter? On n'avait pas du tout la culture du masque en France. Donc, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas sûr que ça aurait fait une différence considérable. En tout cas, on n'aurait pas bloqué la vague, on aurait pu la ralentir. Ok, il y a un moment ou un autre. Votre deuxième question était. Ah oui, les refus.
je ne peux pas vous dire. Je pense que c'est... de toute façon, pour nous, la crainte était effectivement cette saturation et que du coup, on ne puisse pas mettre tous les patients et tout le reste, mais je ne saurais pas vous dire si les refus n'étaient pas dans la LIA. Et ça, je ne peux pas répondre. Votre troisième question est... Perdu, l'absence des PME. L'absence des PME. C'est une des choses qui nous a surpris. Il y a deux choses que les publications chinoises n'ont pas rapportées, c'était la perte de l'odorat, et puis l'autre chose, c'était le surrisque, enfin la gravité associée avec le surpoids. Et dans les villes chinoises, il y a des gens surpoids aussi, et bien sûr, c'est pas peut-être moins, deux fois moins en proportion qu'en France, mais en tout cas, il y en a. Et ça, c'est quelque chose que tout de suite, en France, les réanimateurs nous ont dit, on a vraiment des patients surpoids. Et ce n'est dans aucune des publications chinoises. Donc ça, c'est une partie des choses qu'on voilà, ne sait pas expliquer, mais depuis, ils l'ont rapporté. Hein, dans les publications chinoises, on retrouve maintenant la notion des toutes premières publications, je crois, t'en parler. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur les boîtes de contamination? À savoir que moi, j'ai été contaminé plusieurs fois, mais peu de partenaires. Et on a eu donc, bien sûr, des échanges physiques. C'est une des... Ce qu'on sait, c'est d'abord cette transmission par voie respiratoire, avec à la fois les fameux postillons qui vont jusqu'à un mètre, donc c'est les aérosols qui vont remplir une pièce, et du coup permettre des transmissions à distance. Ce qu'on ne savait pas au début de l'épidémie, il faut être très clair, vous prenez le rapport de l'OMS du 6 avril 2020, on est déjà trois semaines après le confinement, vous verrez que le port du masque en communauté, par exemple, n'est pas recommandé par l'OMS. Donc c'est parce qu'on était encore sur un modèle de transmission par postillon. C'est beaucoup plus tard, enfin, c'est dans les deux mois qui ont suivi, que la construction du modèle de transmission aérosol s'est faite. Mais donc c'est d'abord une transmission par respiratoire, puis après il y a des surfaces contaminées par le postillon, etc. Maintenant, dans les familles, avec des variants peu transmissibles du début, par exemple, c'est intéressant, dans l'enquête qu'on a faite à Crépy en Valois, les gens ne savaient pas que c'était la Covid. Donc, il y a eu ce décès d'un prof du collège le 25 février et on est allé enquêter début mars et on a reconstruit l'épidémie grâce à un test sérologique qui nous montrait les gens qui avaient des anticorps et qui donc s'étaient infectés. En croisant avec les symptômes, on a refait les cours d'épidémie du Crépy en Valois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le virus circule à Crépy, à partir de la mi-janvier jusqu'à... Et les vacances sont un peu cassées, mais après le confinement du 1er mars, à Crépy, il a été plus tôt. Les gens ne savaient pas que c'était la Covid, ils pensaient qu'ils avaient la grippe et un virus respiratoire. Donc ils ne prenaient pas plus de précautions que ce que vous prenez quand vous avez un rhume chez vous. Bien, selon les familles, vous faites plus ou moins attention à votre entourage, mais dans beaucoup de familles, pas tant que ça. Eh bien, les collégiens du lycée, quand ils sont rentrés dans leur famille, ont affecté, alors là c'est des lycéens, pardon, les lycéens ont affecté 10% de leurs parents et 20% de leurs frères et sœurs. Mais c'est pas tout le monde qui était affecté, ils ne prenaient aucune précaution. Comme ils parlaient un peu plus à leurs frères et sœurs que leurs parents parce qu'ils sont des adolescents, ben, ils ont infecté 10% des parents et 20% des frères et sœurs. Mais ce n'était pas 100% d'infection, alors qu'il y avait zéro protection dans le fait. Il n'y avait absolument pas de protection. Avec Omicron, on est arrivé maintenant à des taux d'attaque secondaire de 30-40% dans les familles. Si Omicron rentre dans une famille, 30-40% des gens vont s'infecter, mais on fait quand même attention aujourd'hui. Un peu, quand même. Par rapport aux chiffres, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a que 100% d'Omicron en France, comment ça se fait ? Qu'il ne reste plus qu'un variant que... À chaque fois qu'un variant a davantage de transmissibilité par un autre, il le remplace. Ouais. Heureusement, Omicron est quand même un variant dans toute cette histoire. Je vous l'ai raconté qu'il était très différent sur sa mutation. Dans ces mutations-là, il y a des mutations qui font qu'il n'a plus le même tropisme pour les poumons et qu'il a vraiment un tropisme sur les voies aériennes supérieures. Donc il a moins de complications. Mais heureusement, parce qu'il est quand même beaucoup plus transmissible. Vous aurez possiblement des tests salivaires qui ne marchent pas très bien, qui sont peut-être un petit peu plus faciles. Il y a plus de gens qui testent le salivaire en soufflant, comme la cotesse. Je ne sais pas si vous les pratiquez, mais qui permettrait de détecter. Il y aura peut-être voilà, des nouveaux laboratoires. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt des tests qui puissent faire à la fois grippe, coronavirus et deux, trois autres pathogènes respiratoires pour savoir un petit peu comment on est. Je voudrais vous remercier encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines.
Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt !